La soirée du hockey, présentée par la brasserie Molson, brasseur de la bière Molson, la préférée du Québec. SO Impérial et ses vendeurs, agents et distributeurs. Et Ford, avec les meilleures idées, Ford vous offre de meilleurs produits. Bonsoir, mesdames, messieurs. La soirée du hockey vous présente l'ouverture officielle du nouveau forum de Montréal, ainsi que la rencontre mettant prise des Canadiens de Montréal et les Red Wings de Détroit. Ici Lionel Duval en compagnie de Jean-Maurice Bailly, Richard Garneau et René Lecavalier. Nous vous décrirons les cérémonies au fur et à mesure de leur déroulement, de même que la première partie de hockey disputée dans ce nouvel amphithéâtre dont Montréal peut être fier. Et on voit ici, Jean-Maurice, l'extérieur du forum. Évidemment, tout est nouveau, merveilleux. Et nous attendons l'arrivée des personnalités invitées. Il y a une foule immense, d'ailleurs, qu'on calcule à 5 ou 6 000 personnes qui entourent en ce moment le quadrilatère du forum. Quand les propriétaires ont décidé de rénover le célèbre amphithéâtre montréalais, ils voulaient tout d'abord améliorer la visibilité en éliminant les colonnes qui empêchaient, imaginez, quelques 6 000 spectateurs de voir toute la surface glacée. Une fois prouvé que la chose était possible, eh bien, les propriétaires ont décidé de moderniser les services à l'intérieur et de rénover l'extérieur de l'édifice. Il est tout nouveau, d'ailleurs, à cause des photos dans les journaux et un peu partout. Eh bien, je pense que les gens sont maintenant familiers avec la nouvelle bâtisse du forum. C'est la première automobile qui arrive. La seule restriction imposée, mais qui était de taille, était que les travaux ne nuisent pas à l'activité normale de la saison de hockey. Et on a réussi le tout. Eh bien, dans la première voiture, on aperçoit l'honorable Jean-Jacques Bertrand, accompagné de son épouse, qui fait son entrée maintenant dans le hall du forum, tout moderne, très vaste, très beau. Madame et M. Bertrand sont reçus par les maîtres de la maison, M. et Mme David Molson. Oui, Jean-Maurice, dans la deuxième limousine, c'est le président du comité exécutif de Montréal, M. Saunier. M. Saunier qui a fait ses études à l'Université de Montréal. On voit que la foule est immense tout autour du forum. On vendait même des sièges, enfin des billets debout, très tôt ce matin, 5 heures ce matin. Monsieur Saunier est entré en politique, on s'en souviendra, avec maître Jean Drapeau et Pierre Desmarais, et le parti de l'Union civique en 1960. Monsieur Saunier est marié à Juliette Beaulieu. Ils ont 6 enfants, ils sont accueillis également par monsieur et madame David Molson. Eh bien voilà, maintenant, dans l'autre voiture, une figure qui est bien familière à beaucoup de Canadiens. Barbara Ann Scott, l'ancienne championne mondiale, olympique et du monde du patinage artistique. Elle est encore très jolie, très mignonne. Elle a gardé encore toute cette grâce qu'elle avait lorsqu'elle était dans un spectacle de patinage artistique. Barbara Ann Scott, qui demeure maintenant à Chicago, elle est reçue par M. Molson et Mme Claire Molson. Barbara Ann Scott, en 1945, était la grande vedette du monde du patinage artistique. Et dans l'autre voiture, Jean-Maurice, c'est un bonhomme que je connais bien également, cette grande vedette du disque, Paul Anka, que l'on aperçoit maintenant. Paul Anka, qui est natif d'Ottawa également, et à 15 ans, vous vous rendez compte, sa renommée était déjà, dépassait déjà les frontières, avec son fameux enregistrement de Diana. Il est devenu multimillionnaire, Jean-Maurice, en l'espace de 2 ans. Et voilà, à 17 ans, il était millionnaire. Et ce monsieur Anka d'Ottawa, eh bien, a vendu, il est le deuxième sur la liste, après le fameux White Christmas de Bing Crosby, eh bien, c'est Diana qui a la renommée d'être le disque le plus vendu à être vendu au monde entier. Et son épouse, eh bien, c'est un mannequin, Anne de Zogheb.
c'est la fille du comte et de la comtesse Charles de Zoghab de Paris, d'Alexandria, en Égypte. Et bien là, nous voyons le lanceur des Cubs de Chicago, un Canadien, Ferguson Jamson, et son épouse. En 67, il a été désigné l'athlète par excellence de l'année au Canada. C'était le premier Canadien qui gagnait plus de 20 parties au cours d'une saison. Ferguson Jamson et son épouse. Maintenant. Et l'un des grands du tennis que Richard Garneau a bien connu également, Jack Cramer, accompagné de son épouse. On sait que Jack quitta les rangs amateurs en 1947 et il entraîna dans sa troupe professionnelle des joueurs aussi prestigieux que Frank Sedgman, Lou Holt, Ken Rosewall et Rod Laver. Eh bien, je pense qu'il a un peu vieilli, il a des lunettes. C'est Archie Peden et son épouse. Dans le temps, en 1935-40, les fameuses courses de six jours et le tandem, Archie Peden, Jules Audi. Archie Peden demeure maintenant à Northbrook, Illinois, une des grandes vedettes du cyclisme. Et on reconnaîtra l'athlète suivant, bien sûr, de Baie-Sainte-Anne, Nouveau-Brunswick, le boxeur Yvon Durel, champion poids mi-lourd du Canada dans les années 50. Son jour de gloire ici même, Jean-Maurice, le 10 décembre 1958, son fameux match contre Archie Moore. On se souviendra qu'il avait expédié Moore au plancher à trois reprises pour perdre par knock-out à la suite à la 11e manche. Et lorsque l'on parle du domaine artistique, le summum, eh bien, c'est ce couple, Monsieur et Madame Léopold Simoneau, Pierrette Alary, qui ont fait rayonner le nom du Canada outre-mer à de nombreux festivals, Édimbourg, Munich, Venise et surtout Salzbourg. Et maintenant, l'épouse du maire Jean Drapeau, accompagnée de son fils. On sait que Maître Drapeau est présentement en Europe afin d'encourager d'autres pays à participer à Terre des Hommes l'an prochain. Et celle-là, c'est une jolie gamine. Il s'agit de Ginette Renaud et son mari. Quel talent, cette Ginette, qui a obtenu un succès triomphal à la Comédie canadienne, seule sur scène pendant 2h30. Et on sait qu'elle est très sympathique, une très jeune mère de famille. Et maintenant, Monsieur Télévision, 1968, lui aussi fort sympathique, Paulo Noël, accompagné de sa charmante épouse. On sait que la carrière de Paulo a commencé à l'âge de 16 ans. Et la prochaine limousine, Jean-Maurice. Bien, c'est Yvon Robert. Yvon Robert qui a fait les beaux jours ici du Forum il y a plusieurs années. C'était l'Adonis de la lutte. Ses matchs célèbres contre Dano O'Mahony, Lou Tez. Yvon Robert, avec une santé plutôt un peu chancelante, mais qui a toujours conservé quand même sa bonne humeur, sa bonhomie. Nul autre que Red Story. Il est assez rare de voir un ancien joueur de football devenir arbitre au hockey, mais Red Story est l'exception. Story marquait trois touchés dans la victoire du Toronto contre Winnipeg et par la suite il devint arbitre dans la Ligue nationale de hockey en 1950 et prenait sa retraite en 1959 à la suite d'une dispute avec le président Clarence Campbell. Mais les deux maintenant, dit-on, sont de grands amis. Et voici trois dames qui ont été très heureuses et qui sont toujours très heureuses, les épouses de la ligne du punch, Madame Blake à votre gauche, Madame Richard au centre et Madame Lac. Et dans la dernière automobile, c'est au Blake, là, avec Elmer Lack. Et où est Maurice Richard? Ah, Maurice est là. Maurice est là aussi. La fameuse ligne du punch du Canadien. Et tout ça clôture le défilé des voitures Lincoln Continental qui venaient de l'hôtel Bonaventure. Au Blake est rayonnant de joie maintenant. Il n'a jamais eu le sourire aussi facile. C'est peut-être parce que c'est un forum rénové. Et c'est le cinquième arena Jean-Maurice où évolue le Canadien depuis sa glorieuse
carrière. Eh bien, René Lecavalier et Jean-Maurice Failly vous ramèneront aux cérémonies d'ouverture du nouveau Forum de Montréal dans quelques instants. Aimes-tu te laisser aller, t'enflammer et t'emballer, voir la foule réagir? Aime-le, ton plaisir. Aimes-tu applaudir le jeu d'un joueur habile et fougueux que rien ne peut retenir? Aime-le, ton plaisir. Bientôt la fièvre monte, silence et compte. Chez nous, on forme de vrais athlètes. Partout, on admire nos vedettes. Aimes-tu tes porte-couleurs, qu'ils soient perdants ou vainqueurs, ne te gêne pas pour leur dire. Aime-le, ton plaisir. Si t'aimes remplir tes soirées, le hockey c'est indiqué. Si t'aimes combler tes loisirs, aime-le, ton plaisir. Bien, voici une partie de la foule qui est considérable. Ce sera certes la plus grande foule de toute l'histoire du Canadien de Montréal. Il y a des gens partout, debout. Et nous avons eu, Jean-Maurice, au cours des derniers jours, l'occasion de visiter tous les recoins du Forum. Et ça a été refait complètement partout. Et ce qui m'a impressionné davantage, c'est l'espace libre maintenant qui existe entre les périodes. Pour permettre aux gens ce déplacement, on se souvient que les magasins qui étaient loués, enfin, tout ce qui était loué particulièrement au deuxième étage, tout cela n'existe plus. Ce sont de vastes halls maintenant. Le public peut circuler. Oui, et le public pourra quitter l'amphithéâtre en un temps record, puisque le nombre des entrées et des sorties au rez-de-chaussée est passé de 44 autrefois à 102. Et toutes les portes sont munies d'un dispositif de verrouillage magnétique qui se dégage automatiquement en cas d'urgence. Alors, à la fin des parties, toutes les portes sont ouvertes d'un tableau central de commande. Et les escaliers ont été redisposés afin d'accélérer, de faciliter l'accès au siège. On arrive aussi beaucoup plus rapidement au Forum. On a également installé 7 nouveaux escaliers roulants qui peuvent fonctionner dans les deux sens. Chacun peut transporter 10 000 personnes à l'heure. Rempli à craquer, l'édifice peut être évacué en 15 minutes. Et ce qu'il y a de merveilleux également, c'est que il y a deux balcons qui ont été ajoutés à chaque bout de la patinoire. On s'est placé, Jean-Maurice, tu as vécu l'expérience aussi, on s'est placé un peu partout dans le Forum et la vue est parfaite. Et un des commentaires que tu faisais avant les cérémonies ce soir, tu disais, c'est peut-être le meilleur amphithéâtre de toute l'Amérique pour le hockey. Il n'y a aucun doute là-dessus. Henri Richard, qui les a vus, toutes les patinoires, regardait ce soir et il a tout simplement dit c'est le plus bel endroit pour voir un match de hockey parce que lui aussi, Henri Richard, s'est promené jusqu'au haut du Forum comme il s'est promené dans la plupart des amphithéâtres. Et il faut dire combien est-ce qu'il y a de nouveaux sièges parce que 2400 nouveaux sièges. Alors le Forum peut maintenant recevoir plus de 16 500 spectateurs assis et peut-être un 2000 debout. Alors ça fera des foules considérables. Jean-Maurice te demande peut-être pourquoi je souris présentement. C'est que pour la première fois, les arbitres sont assis au banc des pénalisations. Et voici maintenant René Lecavalier. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Et bienvenue à vous tous qui avez voulu participer avec nous à cette soirée mémorable. Il y a maintenant 44 ans, le Forum ouvrait ses portes pour la première fois à l'agence sportive de la ville de Montréal. Ladies and gentlemen, since 1924, some of the world's most renowned athletes and artists have appeared here, some of whom are with us this evening. Parmi les nombreuses vedettes du monde sportif et athlétique que nous avons eu la joie d'applaudir au cours de cette longue période de plus de 40 ans, en voici une qui fut une patineuse remarquable puisqu'elle s'adjugea le championnat du monde en patinage en 1947. Our first guest
is a charming lady born in Ottawa who gave Canada its first Olympic triumph and gold medal in figure skating. Now, Mrs. Thomas King from Chicago, vous avez tous reconnu sans doute Mademoiselle Barbara Ann Scott. Bonjour. Et plusieurs boxeurs ont vécu ici même leurs plus belles heures de gloire. Nous avons voulu rendre hommage ce soir à l'un des nôtres, un homme reconnu surtout pour son cran, son courage. Here's a man whose battle against Archie Moore in 1960 will forever be remembered. Venant de Baie-Sainte-Anne, Nouveau-Brunswick, voici donc Yvon Durel. As you know, the forum was at times hardly big enough to contain the many thousands who so avidly followed the six-day bike races for so many wonderful years. Chers amis, n'est-ce pas qu'il fait bon se reporter un peu en arrière par l'imagination et revivre par la pensée quelques-unes des plus belles heures du cyclisme et des courses de six jours? Voici un grand athlète qui aura sans doute ce pouvoir magique de nous reporter un moment en arrière, ne serait-ce que pour l'instant. Friends, let's turn back the clock for a moment and salute the famed redhead from Vancouver who probably never lost a bicycle race, Torchy Pete. Maintenant, voici un homme qu'il est très émouvant de pouvoir vous présenter ce soir et dont la carrière n'aura sans doute jamais de parallèle, nulle part. En fait, il s'est illustré simultanément dans deux sports et de façon aussi glorieuse. He was an extraordinary athlete. He had a unique career. A hockey great, member of the very first club de hockey canadien in 1909, and an outstanding lacrosse player. Son histoire tient presque de la légende, et par surcroît, il a fêté il y a deux jours son 81e anniversaire de naissance. Voici l'incomparable, the unique New Zealand. Dans le monde de la musique et du théâtre, deux de nos plus beaux artistes, et c'est fort heureux qu'on ne les ait pas oubliés ce soir, et que le monde sportif ait l'occasion à son tour de leur rendre un vivant hommage. Two of our most celebrated artists, famous the world over, who have performed on all the greatest stages. Ce sont deux Montréalais que nous avons le plaisir de vous présenter, qui ont connu et connaissent encore des succès retentissants sur toutes les scènes lyriques du monde. Vous avez reconnu sans doute Madame Pierrette Allary et Monsieur Léopold Simoneau, son mari. A
young Canadian who in a very short time has become one of the outstanding pitchers of professional baseball. Also a basketball star with the famed Harlem Globetrotters. Vous conviendrez que le monde du baseball est dignement représenté puisque nous avons le bonheur d'avoir avec nous celui-là même qui, pour la deuxième année consécutive, vient de remporter 20 victoires comme lanceur avec les Cubs de Chicago. De Chatham, Ontario, here is now the popular Ferguson Jenkins. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'il fut un des grands personnages de son temps. Ici, je m'adresse en particulier aux plus de 40 ans. Un athlète populaire au possible, remarquable, dont le physique n'avait pas d'égal et dont la personnalité était parmi les plus riches. Some of the greatest crowds ever came to witness wrestling matches, and especially to cheer one of the all-time favorites, whose popularity had only one equal, his warm and ever-charming personality. C'est avec bonheur maintenant que nous accueillons sur la patinoire de ce merveilleux nouveau palais des sports le toujours jeune et populaire Yvan Aubert. Mr. Tennis himself, an extraordinary competitor who in his great days had no equal. Voici un athlète qui au cours de son extraordinaire carrière a vraiment fait figure de géant. This outstanding athlete so dominated his field that both as an amateur and later as a professional, he conquered all the greater championships, often quite easily, and he performed here. Celui qui fut pendant plusieurs années le roi incontesté du monde du tennis, Jack Cramer. Dites-moi sincèrement, connaissez-vous un arbitre qui est resté longtemps populaire? Peut-être, mais pas longtemps. This is a wonderful occasion, is it not, for the return on the forum ice and before a National Hockey League audience of a man whose cheerful personality and wonderful sense of humor are quite unique. Il a sans doute connu ces moments difficiles ici même, mais il ne compte pas un seul ennemi. Alors voici donc Red Story. A young man from Ottawa who, due to his wonderful talent and great perseverance, went on to become what he still is today. One of the most popular nightclub and television celebrities, and he is constantly busy appearing around the world. C'est un jeune Canadien d'Ottawa qui jouit d'une réputation mondiale et que nous avons déjà applaudi ici même au Forum. It is just and fitting that one of our celebrities on this wonderful evening should be the renowned Paul Anka. Mesdames et messieurs, puisque
faut dire que ça, c'est une chose qui n'a pas été prévue. Puisque nous parlons de jeunes vedettes, en voici deux, de chez nous, immensément populaires. Si le public les aime bien, c'est que d'abord, ils ont tous les deux un très beau talent, et qu'ensuite, ils ont une personnalité des plus attachantes. Let us welcome now the two most popular young French-Canadian artists chosen by the public of Montreal as the most popular of 1968. Monsieur Télévision et Mademoiselle Télévision, Ginette Renault et Paolo Noël. Vous conviendrez, chers amis, je pense que ce sont les personnages les plus caractéristiquement représentatifs de tout ce que signifie dans le monde du hockey le nom canadien. Ceux dont la carrière, les succès illustrent le mieux l'histoire du bleu-blanc-rouge. Alors, si trois hommes méritent de se présenter ici au centre de la glace et de fêter ensemble l'ouverture du nouveau forum, ce sont précipitamment ceux qui ont contribué à le bâtir. Let's welcome the ever-famous members of the unforgettable punchline, messieurs Elmer Lac, Colblay et Maurice Richard. Eh bien, mesdames, messieurs, j'invite maintenant le président du club de hockey canadien, M. J. David Molson, à venir au centre de la glace, accompagné du premier ministre de la province, M. l'honorable Jean-Jacques Bertrand. Ladies and gentlemen, here is the president of the club de hockey canadien, M. J. David Molson, accompanied by the prime minister of the province, M. Jean-Jacques Bertrand. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au nouveau forum. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the new forum. Il me fait grand plaisir d'inviter en votre nom le premier de la province, le premier ministre de la province de Québec, Monsieur Jean-Jacques Bertrand, à couper le ruban traditionnel. It gives me a great deal of pleasure to invite the Prime Minister of the Province of Quebec, Mr. Jean-Jacques Bertrand, to cut the traditional ribbon. Monsieur Bertrand. Monsieur Molson, James David, mes amis du nouveau forum québécois de Montréal, je veux saluer
la population du Québec, du Canada et nos amis des États-Unis qui assistent avec nous à l'inauguration de cette magnifique salle où dorénavant se dérouleront les joutes de hockey dans la grande métropole canadienne. Je sais qu'il y a un temps pour parler et un temps pour jouer. Vous me permettrez quand même de féliciter et de rendre hommage à ceux-là qui ont rendu possible cette aréna, ce forum magnifique, M. James David Molson et la famille Molson. À tous ceux qui, directement ou indirectement, permettent que nous assistions chaque semaine à ces joutes de hockey par la télévision, à toutes les équipes, bon succès. Il y a la lutte au hockey. Il faut savoir, au hockey, comme dans tous les autres domaines, savoir gagner. There is a time I know to play and a time to speak. There is a time to thank, and I wish to thank the Molson family for having built this wonderful new forum, which is to the image of the new Quebec. There is a time to win and a time to lose. But, when you win and fight, you must also learn to lose and smile. So, congratulations to all those who take part in those hockey games, and many thanks, James David, for the invitation you made to the Prime Minister of Quebec to be present with you upon such a wonderful evening. Thank you. Maintenant, Mesdames, Messieurs, notre hymne national sera chanté par un jeune artiste de chez nous, de très beau talent, M. Claude Corbeil. Now, O Canada, our national anthem will be sung by one of our most promising and talented young singers, Mr. Claude Corbeil. Hey!
Mesdames, Messieurs, des scènes émouvantes au possible. Quelle soirée, quel gala pour l'ouverture de ce nouvel amphithéâtre. Et on était tous émus ici, particulièrement lors de la présentation du fameux trio Punchline, Lac, Blake et Richard. Oui, il est évident que cette grande foule réunie ici, peut-être 7 à 18 000 personnes, ce sont des amateurs de hockey. L'on voit la silhouette de Gordie Howe, cet homme indestructible qui en est à sa 23e saison dans la Ligue nationale. Il est âgé de 40 ans. Et dans quelques instants, ce sera le début du match des trois Canadiens. Juste un mot pour rappeler cette cérémonie d'ouverture. Lionel, je pense que le choix des personnalités était fort judicieux. Ça représentait un peu toutes les phases de la vie et toutes les phases de ce qui s'est passé déjà ici autrefois au Forum de Montréal. Terry Sawchuk, mesdames, messieurs, jouera ce soir sa première partie dans l'uniforme des Red Wings de Détroit qu'il avait quitté il y a quelques années. Sawchuk, donc, devant le filet des Wings à son premier match avec Détroit cette année. Et devant le filet du Canadien, je pense que ce sera Rogatien Vachon. Bien, Jean-Maurice, tu étais au Mexique lorsque le Canadien a disputé son premier match à Détroit, qu'il a remporté d'ailleurs au compte de 4 à 2. Et tu étais là lorsqu'on s'entretenait en compagnie d'Henri Richard. Il disait que c'est peut-être le match le meilleur que le Canadien a disputé cette année. Et on souligne, en parlant de cela, le retour d'Henri Richard ce soir. L'arbitre est Vern Buffet, les juges de ligne, Neil Armstrong et Matt Pavlich. Rappelons simplement que la première partie qui a été jouée dans l'ancien forum était entre Canadiens et les Pats de Toronto, les Saints Pats de Toronto. Le 29 novembre 1924, le Canadien avait gagné 7 à 1. Mais à chaque fois, Lionel, que Détroit était ici lors de fêtes en l'honneur de joueurs, ou pour une occasion spéciale, le Canadien perdait toujours. Alors espérons que pour exception à la règle, et dès ce soir, début du match, René Lecavalier n'a pas encore monté les escaliers ou les escaliers roulants. Et commençons. Voilà, là c'est Bornégis tremblé dans le coin. Le disque revient à Bergman. Détroit qui n'a disputé que 5 matchs jusqu'ici. Là c'est Claude Provost à la ligne bleue. Pousse le disque. Et là c'est bloqué par Sawchuk. Au tout début du match, le Canadien se fait menaçant. Là c'est Howe par la clôture pour Del Vecchio, mais c'est jugé hors jeu. La passe ayant précédé le porteur du disque. Mahovlich, Del Vecchio et Howe. On sait que Del Vecchio est revenu à son poste de joueur de centre. Terry Sawchuk, rappelons-le, à son premier match avec son ancien club, où il s'est tellement illustré. Là, c'est Jean-Claude Tremblay à Béliveau. Serge Savard, joue en compagnie de Jean-Claude ce soir. Là, c'est Mahovlich à Del Vecchio. Une passe qui revient à Del Vecchio. Del Vecchio par la bande à Bond. Il rate son tir. Mahovlich pousse le disque devant. Qui revient à Bergman à la ligne bleue. Un tir que tente de faire dévier Mahovlich. Bergman lance à nouveau. C'est bloqué par Jean-Claude Tremblay, arrêté par Del Vecchio. Et là, c'est Claude Provost. Une longue passe pour Béliveau. Béliveau est là le premier dans le coin. Howe maintenant reprend pour les siens. Dans la clôture, une longue passe pour Mahovlich, mais trop devant lui. Et c'est Jean-Claude Tremblay. Il virevolte pour remettre à sa droite à Claude Provost. Là, à Bond. Bond pour Mahovlich. Mais à côté de lui, pendant ce temps-là, c'est Jean-Claude Tremblay pour Claude Provost. Arrêté par Bergman. Mahovlich veut remettre à Bergman. C'est coupé. Là, c'est Béliveau qui a capté le disque de l'autre côté de la ligne du centre. Le geste est refusé. Donc, c'est 0-0. On va reprendre l'intérieur de la zone du Canadien. Gary Unger, un ancien Leaf, flanqué de Bruce McGregor et de Pete Stamkos, qui anciennement de l'organisation des Leafs également. Ken Douglas est à la ligne bleue en compagnie de Ron Harris, le jeune homme de Verdun. Ferguson lance de loin, le tir tombe loin dans la foule, ayant frappé le bâton de Harris.
Au cours de nos entractes ce soir, nous vous présenterons également des entrevues avec des personnalités de marque. Backstrom est devant Gary Unger. Ted Harris, une courte passe à Backstrom. Backstrom flanqué le cournoyer Ferguson. On a jugé que le virage de Ferguson avait commis hors-jeu à la ligne bleue des Wings. Alors, René Lecavalier semble maintenant reposer. Est-ce que tu as eu le temps de prendre l'escalier mobile, René? Faut que je sois reposé parce que j'étais même pas fatigué. Ça fait du bien, cette cérémonie. Merci beaucoup, Lionel Duval. Le lancer de Unger dans un angle assez fermé a été bloqué. Voici la contre-attaque ratée au centre par Backstrom. C'est maintenant Ted Harris, retenu au centre par McGregor, et l'arrivée à la ligne bleue adverse de Unger aussitôt arrêtée. Ici, c'est Ferguson, rendu en zone adverse, arrêté par Kent Douglas, anciennement des Leafs. Le disque libre est repris par Cournoyer qui amorce une attaque pour le Canadien. Une passe du côté gauche à Ferguson. Il est arrêté par Douglas. Le disque libre est repris par Cournoyer, mais déjà, la chute de Ferguson avait causé l'arrêt. Cette partie de hockey vous parvient du Nouveau Forum de Montréal. Molson, là tu pars. Canadien 0, Détroit 0, à 2 minutes et 18 secondes. Richard avec Lemaire et Rousseau. On sait que Richard rejoue ce soir après avoir subi une blessure à une épaule, légère séparation. Aussitôt, Bond a été arrêté par Lemaire. Le disque revient derrière le but de Sachak. Celui-là, c'est Bergman, arrêté par Rousseau, qui cherche à se dégager, travaille avec le patin, le disque est repris du côté droit par le jeune Lawson, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale il y a 3 jours. Voici la rondelle qui se déplace légèrement, et c'est ce qui empêche qu'il y ait immobilisation. Voici Pete Maravlich, avec une passe captée par Dean Prentice, qui a quitté son aile. Il s'avance maintenant au centre, rendu devant Jean-Claude Tremblay, lance durement et Vachon résiste. Retour, Ronnie Lawson, la passe arrière à Bobby Bond, une passe qui longe la bande. Le disque est repris par Prentice un peu plus loin. Sa passe avant est captée par Jean-Claude Tremblay, la sienne, ça va vers Savard. Savard, une remise à Lemaire. Une autre longue passe, c'est la coupée au vol au centre par Dean Prentice. Prentice s'avance jusque devant le but, un beau lancer. Et aussitôt après l'arrêt, c'est Savard qui capte le retour. De Savard à Rousseau. Rousseau cherche Richard de l'œil, mais Bond a fait dévier la passe au vol. Et en même temps, le joueur du Canadien se trouvait à devancer le disque. C'est ce qui provoque le hors-jeu. Un match également ce soir à Toronto, dont on vous parlera dans un instant. Ce sont les Flyers de Philadelphie qui sont là. Aucun but pour l'instant. À Montréal, 0-0 à 3 minutes et 29 secondes. Del Vecchio, flanqué de Howe et Frank Mahovlich devant le trio formé par Béliveau, Provost et Gilles Tremblay. C'est Provost qui a surveillé Mahovlich, c'est pourquoi Blake avait inventé ce système-là il y a 2 ans et qui a été remis en pratique par Claude Ruel cette fois. D'ailleurs, la même chose s'était produite à Détroit il y a 2 semaines, quand le Canadien l'avait emporté. C'est le même soir que 2 hommes furent blessés, Richard et Laperrière. Frank Mahovlich, arrêté en zone adverse par Harris, le disque libre aussitôt repris par Béliveau. Et immobilisation ensuite. On sait que l'arbitre est Vern Buffy. Ses adjoints sont Pavlich et Armstrong. Canadien 0, Détroit 0. Le Canadien en première place de la division Est, avec seulement un échec. Le disque est pris par le jeune Falkenberg, mais la passe avant est captée par Béliveau. La sienne est prise par Gilles Tremblay, une autre à Provost, et le lancer bloqué par Falkenberg. Une descente de Howe, mais la passe fut faite par la main. C'est pourquoi c'est refusé. Au cours du premier entracte, Lionel Duval s'entretiendra avec Maurice Richard. Et nous vous présenterons un film concernant l'histoire du Forum, l'ancien et
Le Nouveau, puis une entrevue avec le premier ministre de la province de Québec. De Gilles Tremblay à Prévost est là, et Béliveau qui lance ses comptes. Béliveau qui a complété le bal. Et le premier but du Nouveau Forum, c'est le cas de le dire, appartient à cette grande vedette que l'on verra à l'œuvre au ralenti cette fois. D'abord la passe faite de Béliveau à Gilles Tremblay. Ensuite ici, vitement vers Prévost, mais qui ne se dégagera pas tout à fait. Là, on vient l'encercler, mais le disque redevient libre, poussé un peu plus loin par Prévost. Et lorsque Béliveau intervient, toujours bien placé, Sáček avait déjà fait sa chute et Béliveau complétait la manœuvre. Assisté de Prévost et Gilles Tremblay. À 4 minutes, 38 secondes. C'est Del Vecchio, celui-là, qui a pris le disque des mains de Douglas. La passe est captée par Mahavlich. Le lancer trop à la gauche du but. Retour Howe. La Howe à Douglas. Une passe avant prise par Del Vecchio. Une autre qui est libre, celle-là, jusqu'à l'arrivée de Howe. Le lancer touche le but après l'arrêt. Le disque est libre. Repris un instant par Terry Harper. Aussitôt plaqué par Del Vecchio. Le disque est libre et repris par Howe qui l'a renvoyé à Del Vecchio. C'est une passe qui est libre jusqu'à l'intervention de Mahavlich, mais aussitôt arrêté par Prévost. Là, Mahavlich a pu se dégager, mais la passe a été bloquée, arrivant sur l'extérieur du but. Mais il y aura quand même pénalisation directement du Nouveau Forum de Montréal. La soirée du hockey vous présente cette rencontre entre les Red Wings de Détroit et les Canadiens de Montréal. Là, tu parles. La pénalisation à 5 minutes 25 secondes. À l'endroit de Frank Mahavlich sur la rampe, quand il s'est trouvé à le retenir là, momentanément. Alors, Claude Ruel, envoyé dans la mêlée, comme auparavant cette année. Jean-Claude Tremblay, Gilles, Prévost et Harris. Et l'attaque à 5, redoutable, est composée de Del Vecchio, Howe, Frank Mahavlich, Douglas et Bergman. À noter qu'on emploie deux défenseurs, mais tous deux, ce sont des spécialistes de l'attaque à 5. La rondelle se déplace, reprise par Gilles Tremblay. Bergman est très bon à l'attaque, il a un bon lancer de la pointe gauche. Tandis qu'on se souviendra que Douglas agissait toujours comme cinquième homme lors des attaques massives des Leafs. Une passe arrière de Mahavlich à Howe, une autre faite vers Del Vecchio. C'est une remise. Pénalisation. Obstruction involontaire, si vous voulez, mais Mahavlich est quand même pris en défaut par l'arbitre Vern Buffet. Et l'attaque à cinq hommes n'aura donc duré une trentaine de secondes, tout au plus. Punition du Détroit, Frank Mahavlich. 2 minutes pour obstruction. À 5 minutes 56 secondes. Detroit penalty, Frank Mahavlich. 2 minutes for interference. The time 5:56. À 5 minutes et 56 secondes. Le Canadien mène au compte de 1-0. Le but appartient à Jean Béliveau. De Richard à Rousseau. Une passe qui lui revient, il a quitté son aile, pousse la rondelle en zone adverse et évite habilement, fort heureusement pour lui, le plaquage qu'allait lui servir McGregor. C'est Savard dont le tir violent rate le but. Un retour qui va du côté gauche de Stamkowski à Bergman. Bergman déborde à l'aile, le disque est libre pris par Rousseau. Ensuite, libre à nouveau, on le dispute à deux. Les deux font une chute, Richard et Stamkowski. Bonne Savard, oh le lancer était dangereux parce que la vue du gardien était partiellement voilée. C'est Richard, arrêté aussitôt par Bourne. Et le hors-jeu est commis par Détroit. On a devancé le porteur du disque. Et quelle foule, hein, M. Bailly? Dans les 17-18 000, on le saura après. Mais... des gens debout. Oui. Et il y avait de longues queues à la porte du forum, 2 heures avant le match. Mm-hmm.
et 5 ou 6 000 personnes qui entouraient le forum pour voir l'arrivée des personnalités. C'est Bobby Bond qui amorce une attaque. On sait qu'on joue à armes égales. La première des deux pénalisations, celle que purge Harper, sera terminée dans 30 secondes. L'autre, dans 57 secondes. La passe est ratée par McGregor, hors d'atteinte. Le disque est repris par Savard. Il a renvoyé vers Richard, aussitôt arrêté par Bond. Le disque libre au centre est repris par McGregor, qui le remet tout près à Bergman, qui s'en défait aussitôt. Il longe la bande, saisi par Savard. De Savard à Richard, lui-même arrêté aussitôt du côté gauche. Et là, c'est l'arrivée en zone adverse, subite et inattendue par le grand Pete Mahavlich, mais il n'a pas pu se rendre plus loin. Et aussitôt, on surveillait le banc et la sortie de Terry Harper. C'est Ferguson qui a quitté son aile, cherche à faire une passe, mais voyant qu'il n'y avait pas d'ouverture, préfère lancer. Et après l'arrêt facile, c'est Pete Mahavlich qui se défait du disque. Le dégagement est bon et il le sera encore pour 5 secondes. Voilà. Frank Mahavlich est de nouveau dans la mêlée. On joue à armes égales. Et Backstrom avec une de ses descentes caractéristiques. La passe est longue. Ferguson la prend. Et là, le sifflet s'est fait entendre, ce qui fait que même s'il y avait eu but, c'eût été refusé cette partie d'hockey. Vous parviens du nouveau Forum de Montréal. Molson, là tu pars. Canadien 1, Détroit 0 en première période. À 8 minutes et 12 secondes. Le disque est pris par Yvan Cournoyer. La passe est faite vers Ferguson qui n'a pu l'atteindre. Oh, libre à nouveau, repris par Cournoyer, le voici en zone adverse. Il lance à le coin. Retour Dean Prentice. Une passe coupée partiellement par Backstrom. Puis le disque au centre est repris par Ferguson. De Ferguson vers Cournoyer. La passe est manquée, mais le premier rendu est Backstrom. Backstrom derrière à Harper. Le tir est bloqué partiellement. Hein. Le disque est recouvré par Prentice qui l'a renvoyé aussitôt à Lawson. Le lancer vient de loin après l'arrêt relativement facile. Retour Harris. De Harris à Cournoyer, c'est manqué. Le disque est repris par Cournoyer. Vers Backstrom, la passe est hors d'atteinte. Tkachuk intervient, ce qui enlève le coup de sifflet. Voici une belle descente du Détroit qui s'annonce dangereuse. Seulement un défenseur, c'est Harris. Une passe à bière. Oh là! Un beau retour de Ferguson qui a gêné l'adversaire et Harris était en mesure de couper la passe. Mais je pense que c'est l'arrivée subite de Ferguson, qui s'est bien plié, qui a gêné Détroit et a contrecarré ses projets. Béliveau, une passe lente au centre prise par Pete Mahavlich. Il se défait du disque. Ceci permet au sien d'entreprendre des changements. De Harris à Béliveau. Un lancer arrêté par Douglas, qui renvoie le disque vers l'autre ligne bleue. Repris par Terry Harper. La passe de Harper glisse sur le bâton de Ron Harris. De Harris à Douglas ici, une autre passe vers Del Vecchio et une dernière. Harris l'an passé avec les Steelers d'Oakland. On le faisait jouer à l'avant. Maintenant, Détroit, on est très content de lui comme défenseur. Béliveau amorce une attaque sur cœur. Béliveau est au centre. Une passe à propos, une autre vers Béliveau, raté de justesse. Et c'est Bond qui brise l'attaque en renvoyant le disque au centre. De Frank Mahavlich à Gordie Howe, arrêté par Savard. Del Vecchio est là qui s'avance à son tour. Une passe qui divise sur un bâton. Howe prend leur tour. Une passe qui est libre. Le disque est repli par Bond qui le renvoie à Frank Mahavlich. Oh, le beau lancer à bout portant presque. Et Vachon a résisté, mais on a vu la jambière tourner, bouger un peu. Et il s'en est fallu de peu. Tellement le tir était fort. Voici Provost en son adverse, arrêté par Bergman. Et aussitôt, une contre-attaque menée par Frank Mahavlich. Et la passe à Howe. Et Vachon résiste. Une passe faite en plein sur la ligne. Gilles Tremblay ici vers Provost, mais raté au vol. Détroit ici presse le pas, on l'a vu, avec ce formidable trio. Jean-Claude Tremblay remet le disque à propos. Richard est dans la mêlée à la place de Béliveau. Et voilà la longue passe. Est-ce que Tremblay s'en saisira? C'est fait.
Mais Bourne a vu le danger et a empêché Richard de compléter la manœuvre en coupant la passe lui-même. Howe est là. Une remise à Del Vecchio, il est arrêté. Howe reprend le disque à la ligne. Travaille comme gaucher, on l'a vu. On sait qu'il est dans Bidex. Et là, la longue passe de Harris à Richard. Richard qui cherche à contourner Bergman, qui l'entraîne encore. Une remise. Raté par le maître, qui fait une chute. Un bâton sous ses pieds. Harper ici avec une passe avant manquée. Et Rousseau qui remet le disque vers Richard, qui ne peut l'atteindre. Et Harper qui arrive jusqu'en zone adverse, mais la passe a touché Richard. Richard à son tour renvoie le disque en zone adverse. On a vu Détroit se replier vitement à 5 le long de sa ligne. Cette partie de hockey vous parvient du Nouveau Forum de Montréal. Molson, là tu pars. Le maire est là avec Richard et Rousseau. Le maire comme ailier gauche. Il a déjà 6 buts. Une passe avant. Rousseau se fait voler un but et qu'il n'a pas de veine. La même chose s'est produite à Toronto. Et il doit vraiment se demander quand est-ce que le soleil va me regarder dans les yeux. Parce que c'est certainement le genre d'occasions qui se sont présentées à lui jusqu'ici 5 ou 6 fois cette année, nous dit-on. McGregor du côté droit, une belle passe à Gary Unger. Voilà la jeune vedette, anciennement Daly, qui est arrêtée à la ligne bleue du Canadien. Une autre tentative de Unger, une passe qui est libre, mais de toute façon, McGregor, à l'aile droite, travaillant hors l'aile, l'avait devancé. Et un autre qui poursuit son excellent travail, comme à Toronto, c'est Rogatien Vachon. En 2 ou 3 occasions, on a pu encore une fois admirer son habileté et la vitesse de ses réflexes. Voici la passe de Richard faite vers le maire. Il est très fort, il lance et rate le but. Il a pu se débarrasser de McGregor. L'autre essayait de retenir son bâton. Et voici le maire maintenant qui arrête Harris, un autre homme fort. Et Rousseau en zone adverse. Une belle feinte. Et la passe arrière échoue. Et là, c'est Temkovski avec une remise à Unger. Une autre passe, mais là, ne cherchez pas pourquoi. C'est que quand la rondelle lui a échappé provisoirement, il s'est trouvé à l'advancer lui-même. Et c'est lui qui a causé son propre hors-jeu. Et je me rends compte d'une chose aussi, René. Lorsque Frank Mahovlich, Gordie Howe et Del Vecchio sont sur la glace, les défenseurs du Canadien ont beaucoup de besognes à accomplir. Il y a une autre chose qui est évidente ici au cours des 12 premières minutes du match. C'est que Détroit est un adversaire de taille ce soir, défensivement autant qu'offensivement. C'est une équipe qui d'ailleurs est rapide et infiniment plus mobile que tout ce qu'on a vu chez Détroit au cours des 2 dernières années peut-être. Voici Backstrom qui s'apprête à attaquer. Backstrom qui tricote bien au centre jusqu'à ce que la rondelle lui échappe. Envoyé un peu plus loin par Unger et reprise par Savard. C'est une double passe. De Savard à Jean-Claude Tremblay à Cournoyer. Le voici en zone adverse. Il lance. Passe la présence. Le disque est libre. Repris du côté droit par Stemkowski. La longue passe au centre appartient à McGregor. Son lancer lui revient et le deuxième lui échappe. Et voici Ferguson qui a pris le disque des mains de Backstrom. Qui le renvoie jusqu'en zone adverse mais ne peut le recouvrer. Renvoyé au centre par Kent Douglas. C'est Savard qui envoie le disque en zone adverse. On se rend compte qu'à part le trio de Howe, Mahovlich et Del Vecchio, les autres sont conscients surtout d'un besoin d'empêcher le Canadien d'attaquer. Donc c'est la défensive qui domine chez les autres trios. Voici une rondelle renvoyée par Pete Mahovlich au centre. Elle va après coup de Savard à Jean-Claude Tremblay et là à Ferguson. Elle lui échappe. C'est Lawson arrêté par Ferguson. Et Cournoyer qui rentre jusqu'en son adverse. À Richard, il lance et rate le but. Un retour saisi par Lawson. De Lawson à Prentice. Prentice devant Harris. S'avance. Une belle passe. Et c'est Pete Mahovlich qui fait un geste de trop. Et il n'a pas eu le temps de lancer. De Rousseau à Harris. À Rousseau, une belle attaque. Rousseau en zone adverse, arrêté par Bergman. Un mur ce soir, ce Bergman. Voici Harper qui renvoie le disque faiblement en zone adverse pour permettre aux siens de compléter les changements à l'attaque.
le maire Rousseau Richard. Celui-là, c'est Bergman qui descend à l'aile gauche. Devant Harper, se défait du 10. Après l'arrêt, le retour est capté par Ted Harris. Et la longue passe réussie vers Jacques Lemaire. Lemaire avec Richard. La passe glisse sur le bout de son bâton. Le disque est libre. Renvoyé par Bergman jusqu'à Harris. Et la passe avant est manquée. Richard n'attendait pas le geste. Encore une fois, on voit que Mahavlich, le préférant la prudence, remet le disque en zone adverse. Le jeu de position domine chez Détroit. Howe est là maintenant. Voici une rondelle libre après la chute de Harris devant Howe. Vachon a vu le danger. Une remise à Richard et une passe à Rousseau. Il a voulu lui rendre la politesse, mais ça n'a pas fonctionné. Howe n'a pu compléter. Voici le maire là, qui revient sur ses pas. Afin de bâtir une nouvelle attaque du côté de Harper. Et là, à Provost. Provost vers Béliveau, qui ne peut atteindre la passe. Le disque est repris par Frank Mahavlich. Il le rentre au centre, saisi par Gilles Tremblay, qui le renvoie à son homonyme Jean-Claude. Une autre passe à Provost et une dernière qui échoue avec l'intervention de Howe. C'est Savard, là, qui est arrêté au centre. Howe qui remet le disque en territoire adverse. Jean-Claude Tremblay avec Frank Mahavlich à ses trousses. Une remise vers Béliveau. Voici Béliveau arrêté par Douglas. Le disque est repris par Provost. Il attend ses deux hommes et la passe est manquée puisque Gilles, lui, s'était rapproché du centre. Frank Mahavlich renvoie la rondelle dans la zone neutre. Elle est reprise par Jean-Claude Tremblay qui la remet aussitôt à Savard. Une autre passe, celle-là, elle échoue. Et finalement, Howe qui voit la sienne bloquée par Savard. Et maintenant, une tentative de Del Vecchio, retenue un moment par Béliveau. Il s'en défait. Une passe qui sera libre et on devra rentrer au centre chez Détroit. De Kent Douglas à Ron Harris. Et après ce dégagement partiel, c'est Jean-Claude Tremblay qui amorce une nouvelle attaque en faveur de Béliveau. Voici la longue passe, mais les deux défenseurs ne mordent pas à la passe et il n'y a pas beaucoup d'ouverture qui se présente. Jean-Claude Tremblay qui parvient à se défaire partiellement de Harris qui la rejoint cependant. Et ensuite Douglas qui est là. Ils travaillent bien ces deux-là. Douglas du côté gauche et Harris du côté droit. Del Vecchio qui fonce. Une passe à Harris. Ensuite, le disque est libre. Repris par Gilles Tremblay. Trop en avant de Provost ce jeu. Et Kent Douglas, le numéro 5, qui prépare une nouvelle attaque avec seulement 2 minutes et 10 secondes encore. Cournoyer qui brise un jeu. Le voici en zone adverse avec Backstrom qui reçoit la passe. Et là, une autre qui devient un lancer manqué. Et là, Ferguson, la rondelle lui revient. Une autre passe devant. Et après qu'il ait touché le bâton de Cournoyer, le gardien met le point final sur le dernier échange. Cette partie d'hockey vous parvient du Nouveau Forum de Montréal. Canadiens 1, Détroit 0. En première période, l'unique but marqué par Jean Béliveau sur des aides de Provost et Gilles Tremblay à 4 minutes et 38 secondes. Deux pénalisations jusqu'ici, une de chaque côté à Harper d'abord et à Frank Mahavlich ensuite. Le lancer de Cournoyer est arrêté, il venait de loin. Un retour pris par Ferguson. Rondelle immobilisée partiellement et finalement, elle se déplace encore peu et encore assez pour justifier la poursuite du jeu. Là, c'est McGregor qui arrive en zone adverse. Le jeu est du côté de Bond. Le lancer manque le but. Un retour devant et Unger. Oh, la belle ouverture qui s'est présentée à lui, mais il lui fallait faire très vite et il a raté le coin gauche. Voici Backstrom qui démarre. La passe est faite vers Ferguson qui n'a pu la prendre au vol. Encore une minute. Oh! Vaughan avec un faux pas devant son but qui vient tout près de lui coûter cher. Ferguson vers Cournoyer. Cournoyer derrière à Ferguson. Il lance, il rate le coin. La rondelle avait d'abord touché Bergman, le défenseur gauche. Et Stemkowski
qui revient à la charge avec une contre-attaque bien amorcée devant Harris. Une passe arrière qui échoue et le disque repris par Robert Rousseau. Encore 35 secondes. Rousseau en zone adverse est arrêté par Bergman et Vaughan. Et le disque est remis au centre. Intervention de Harris et reprise de Richard. Une passe coupée par Bergman et c'est lui qui s'est fait du disque. Et tout de suite après, il est coupé du plaquage de Harper. Oh, le mauvais jeu devant le but. Nettement dangereux chez le Canadien ici. La rondelle est prise par Robert Rousseau. La longue passe faite vers Lemaire. Lemaire cherche Richard Deloye. Il lance sans shot block. Jette un petit coup d'œil derrière lui pour s'assurer qu'elle était bien restée dans son gant. Il y a toujours quelque chose de lourd dans ce tir. Eh bien, en ce qui concerne les nouvelles à l'étranger, Philadelphie a marqué Jean-Guy Gendron avec l'aide de Don Hoffrey Lacroix. Et c'est ainsi que se termine ce premier bas. Donc, mesdames, messieurs, le compte à la fin de cette première période est Canadien 1 et Détroit 0. Laurentide? Oui, monsieur. Toute une bière. Quand on est bon chasseur, affronter l'agresseur, y a pas plaisir meilleur. Car c'est avec fierté qu'on peut s'en retourner avec son beau gibier. Mais qu'on soit chanceux ou pas, y a rien pour nous ôter ça. Laurentide? Oui, monsieur. Toute une bière. Il te content, oui, il te content, oui, il te content, 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 content. Une fois que t'es content longtemps, t'es content tout le temps. Laurentide? Oui, monsieur. Toute une bière. Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, il est normal que nous ayons comme premier invité ce soir dans ce nouvel amphithéâtre nul autre que le Rocket Maurice Richard. Je sais qu'il est essoufflé quelque peu parce que les directives, je ne sais pas où on t'a envoyé, quoi. Eh bien, ils sont venus un peu en train de me chercher. On a monté à la course les escaliers. On n'a pas monté les escalateurs. Je ne sais pas s'ils marchent. Alors, un peu essoufflé. Oui, je ne sais pas. C'est des moments assez historiques qu'on a vécu ce soir et on a pu se rendre compte lorsque tu as été présenté sur la glace avec tes copains, Blake et Elmer Lack. Moi, les frissons me passaient sur le corps. C'était une ovation vraiment sensationnelle. Bien, Lionel, sois sûr que moi aussi, ça me rappelait bien des vieux souvenirs. Le temps que je jouais avec Elmer Lack et toi, Blake, on a eu souvent des applaudissements, mais je crois que ce soir, ça bat tous les applaudissements qu'on a eu déjà. Et malgré que le public... j'ai bien vu que le public ne nous avait pas oublié. Comme toi, sois sûr que ça fait chaud au cœur de voir les gens nous applaudir comme ça et de se rappeler encore des beaux jours du club de hockey canadien quand je jouais avec Toe et Elmer. Et si on demandait les impressions de Maurice Richard du nouveau forum, comme on l'appelle maintenant? Bien, là, comme on pourrait dire, presque tout le monde, les 16 500 personnes qui sont dans le forum, peuvent voir la partie et ils n'ont pas d'obstacle du tout devant eux. Alors, je pense bien que le monde... va aimer voir évoluer les Canadiens dans une patinoire comme celle-là. Et j'espère bien que le public viendra les encourager à tous les partis. Et... Maintenant, Maurice, nous voyons ici, tu regardes au moniteur ici, le but de Billy Vaux qui a été compté avec Provo et Gilles Tremblay à 4 minutes 38 secondes. Et on a vu que Sartok n'avait aucune chance. C'est un but que pas trop difficile pour Jean Billy Vaux. Je dois dire que Jean, même s'il n'a pas travaillé bien fort sur ce but-là, on travaille bien fort depuis le commencement de la saison et c'est réellement le leader du club. Et je pense bien que si Jean continue à jouer du hockey comme ça, le club de hockey canadien n'a pas trop de misère à finir en première position. On voit ici, Maurice, à la reprise, que Provo a été retenu dans son geste pour lancer. Le disque est devenu libre devant le filet et Billy Vaux s'est placé derrière Gordie Howe. Billy Vaux complètement libre devant les buts. Mais on se rend compte que ce soir, Détroit est venu ici jouer un match de hockey. Absolument. Détroit joue du très bon hockey. Je pense bien que le club canadien n'a pas gagné la partie d'avance. Et
je me suis aperçu aussi que Gordie Howe est encore le même joueur qu'il était il y a plusieurs années. Réellement, ça me surprend de le voir jouer le jeu qu'il joue dans le moment. Pour un gars de 40 ans, 41 ans, je crois qu'il joue très bien. Et même, il est un des meilleurs qu'il y a sur le Red Wings. Bien, merci beaucoup, Maurice. On se retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, durant ces 44 années d'existence, le Vieux Forum a été tour à tour salle de concert, salle d'exposition, salle de spectacle et, bien entendu, amphithéâtre sportif. Nous vous invitons à revivre avec nous des souvenirs peut-être un peu nostalgiques et assister à la transformation du Vieux Forum en un édifice agrandi et ultra-moderne. Au demi-siècle, le Forum fait partie du visage de Montréal. Cette photo, qui date de 1910, nous fait voir le premier Forum, réservé alors au patinage à roulettes. Formé en 1917, l'équipe des Canadiens a été la grande équipe montréalaise au cours des années 20. L'intérêt envers le hockey grandissant au rythme de la croissance métropolitaine, il a fallu songer à ériger un nouveau Forum. Quand vint le moment de démolir l'ancien, le tenancier d'une des boutiques a refusé obstinément de déménager. Les murs s'écroulaient quand il décida d'abandonner son poste. Au même endroit, s'éleva le deuxième Forum construit en 1924, en 159 jours seulement, au coût $1 million. Voici quelle allure il avait peu de temps avant d'être achevé. À cette époque, on y logeait 9500 spectateurs. Vers la fin des années 40, on y ajouta 3000 fauteuils. C'est le 29 novembre 1924 que les Canadiens disputèrent leur première partie au Nouveau Forum. Et parmi les vedettes, George Hainsworth, Aurel Joliat, George Vézina et le légendaire Howie Morin. Deux équipes se partagèrent le Forum jusqu'en 1938, les Canadiens et les Maroons. Voici quelques images de l'époque qui vit Montréal remporter la Coupe Stanley trois fois grâce aux Canadiens en 1930 et 31 et aux Maroons en 35. Trois ans plus tard, les Maroons disparaissaient et les Canadiens s'installaient seuls au Forum. Le Forum a toujours été un grand centre de spectacle. Cette machine à glace sert encore aujourd'hui. Après de durs moments, les Canadiens recommencèrent à gagner en 1944 avec des joueurs comme Bill Dernan, Émile Bouchard, Merv Chamberlain, Ray Gatliff, Buddy O'Connor, Billy Ray et la fameuse ligne du punch, Elmer Lack, le capitaine Toblake et l'inoubliable Maurice Richard. Au début des années 50, les destinées de l'équipe étaient entre les mains de Frank Selke, Dick Irvin et Ken Reardon. La grande étoile était Maurice Richard, dont les performances électrisaient tous les amateurs du circuit. Le 17 mars 55, la suspension de Richard pour toutes les séries éliminatoires déclenchait une émeute dont le souvenir déplorable n'est pas prêt de s'effacer. Puis Toblay a été nommé instructeur des Canadiens en 55 et l'équipe remporte la Coupe Stanley 5 années consécutives. Mais le hockey n'était pas le seul sport en vedette au Forum. La lutte avec Yvon Robert. Ce combat de boxe pour le championnat mondial des mi-lourds entre le champion Archie Moore et l'aspirant Yvon Durel. Oui, le Forum en a vu de toutes les couleurs. Et mes souvenirs ont sans doute traversé l'esprit des amateurs montréalais lorsque David Molson, le président des Canadiens, annonça au début de 67 qu'un nouveau Forum serait bientôt érigé. Le Forum est situé à angle Sainte-Catherine et Atwater et il a été un des centres d'attraction de Montréal depuis le début des transformations le printemps dernier. On suivait avec intérêt le déroulement des travaux. Différentes parties de la structure ont été démolies avant même la fin des séries du printemps. Moins de 45 minutes après la dernière rencontre Montréal-Saint-Louis, une équipe d'ouvriers était à l'œuvre dans ce qu'on allait bientôt appeler l'ancien Forum. On avait d'abord cru qu'un nouveau Forum serait construit ailleurs en ville. Mais lors de l'annonce des projets de rénovation,
M. Molson révéla que l'on avait décidé de rester au même endroit. Mesdames, Messieurs, la soirée du hockey vous reviendra dans quelques instants. It's content, oui, it's content, oui, it's content, 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 content. Laurentide? Oui, monsieur. Toute une bière. Quand on est en famille et qu'on fait une partie, ça plaît, ça réjouit. C'est bon de s'amuser, de se laisser aller, ça change les idées. Oui, monsieur. Toute une bière. It's content. Oui, it's content. Oh, oui, it's content. Content, 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 content. Une fois que t'es content longtemps, t'es content de temps. Laurentide? Oui, monsieur. Toute une bière. Monsieur le Premier ministre, j'ai ouï dire que vous avez déjà joué au hockey. Oui, j'ai joué au hockey à l'époque où on lisait dans les journaux les actes de Vézina, un des grands gardiens de but du Canadien. À ce moment-là, nous pratiquions sur le trottoir devant nos maisons et nous avions comme jambière le catalogue de Dupuis et Frères. Et nous avions des gourets qui étaient plus ou moins, disons, bien faits. Oui. Et c'est là que j'ai appris à jouer au hockey. Ça, c'est, je pense que vous avez continué à aimer ce sport. Nous avons eu des premiers ministres comme M. Duplessis qui aimait le baseball, lui surtout. M. Johnson aimait beaucoup le hockey, on le voyait souvent au forum. Même M. Lesage aimait le hockey. Mais ce qu'il y a d'important dans le sport, c'est d'apprendre à gagner et à perdre. Vous venez de me parler de M. Lesage. Il faut apprendre à gagner et à perdre. Et toujours garder le sourire. Mais il faut toujours lutter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans le hockey, j'ai aimé le hockey parce que c'est un sport qui exigeait de la combativité, de l'agressivité. Et j'aimais ça parce qu'il fallait se manifesté par la rapidité des actes et l'énergie qu'on avait à déployer. Au collège, vous savez, Jean-Maurice, il fallait dépenser notre énergie. En politique, on en dépense. Il a fallu apprendre à en dépenser dans le sport. Oui. Et puis, ça, il n'y a aucun doute que le sport est comme esprit de formation, c'est formidable. Mais le sport d'équipe est aussi important comme le baseball. Autrefois, on jouait au hockey, c'était le jeu individuel. Exact. En politique, c'est un peu la même chose. Autrefois. Autrefois. À l'époque de M. Duplessis, il y avait un homme qui formait l'équipe. Mm-hmm. Mais de nos jours, de même qu'au hockey, il faut apprendre à passer la rondelle. Également en politique, il faut apprendre à partager les responsabilités. Autrement, un homme seul ne peut pas former une équipe. Et c'est là que le sport est pour nous, dans le domaine politique, comme peut-être nous, un exemple pour le sport de savoir partager les responsabilités et de savoir jouer en esprit d'équipe. Et la grande vedette aussi jouer dans l'humilité. Les grandes vedettes de nos jours, on les voit, on en a vu une tantôt. Béliveau qui a compté le premier but, un joueur magnifique, mais qui quand même, comme capitaine de son équipe, partage avec tous les autres les honneurs, le combat et la lutte. Bon, maintenant, puisque vous avez fait, M. Bertrand, déjà du hockey, vous avez déjà joué dans des équipes organisées. Et puis, il y a un joueur que les plus de 40 ans connaissent, je pense, qui a appartenu aux Red Wings de Détroit. Killery. J'ai joué dans la Ottawa Junior City League quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa. Et Killery est allé jouer pour le Détroit. Et franchement, quand j'embarquais sur la glace, à l'époque, on n'avait pas d'aréna. Hein.
on jouait dehors, en plein air, au froid. Et j'ai aimé ce sport à un point tel que si j'avais eu la taille, sans doute qu'au lieu de devenir avocat, je serais peut-être devenu joueur de hockey. Avec un peu moins de soucis. Non, disons que les soucis, je les abandonne au Parlement. Quand je viens regarder une partie de hockey, comme je reviendrai très souvent. Bon, j'espère que nous allons vous voir ici au Forum plusieurs samedis. Merci. Si le temps vous le permet. Merci, Jean-Marie. Merci, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, René Lecavalier et le reportage de la deuxième période de ce match qui oppose les Red Wings de Détroit aux Canadiens de Montréal. Regardez bien ce balai d'essuie-glace. Spécial, n'est-ce pas? C'est un balai d'hiver Atlas. Un balai tout à fait spécial sur lequel la neige et la glace ne collent pas. Et ce petit machin? Parfait pour dégivrer les serrures. Voilà quelques-uns de la multitude des produits Atlas que le détaillant SO vous offre pour passer l'hiver sans tracas et sans panne. Il y a aussi les thermostats qui protègent tout le moteur. Et les raquettes, ces nouveaux pneus d'hiver grâce auxquels vous traversez les pires tempêtes. Et toute une gamme de produits pour lutter contre le gel, dont SORAD, l'antigel qui protège tout le système de refroidissement. Garanti. Toutes ces pièces et ces services font partie d'un programme spécial qui vous aidera à passer l'hiver sans tracas. Ce programme, vous le trouverez à cette enseigne. Vous voulez passer un hiver sans tracas, allez voir le détaillant SO avant que n'arrive la froidure. Et qui sait, c'est peut-être pour demain? Mais pour aujourd'hui, retournons à la partie. Notre vente de raquettes à 36,95 $ la paire dans les formats populaires est si formidable que les gens ne remarquent même pas qu'ils peuvent épargner du bel argent à l'achat de nos autres pneus d'hiver. En effet, les WonderGuard S sont aussi en vente 49,95 $ la paire dans la plupart des formats populaires. Et vous pouvez donc épargner jusqu'à 17,95 $. Et comme tous les pneus Atlas, ils portent la garantie SO. Grip Safe ou WonderGuard S, à vous de choisir chez le détaillant SO. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Canadien et son adversaire, le Détroit, sont de retour sur la patinoire et dans un instant, ce sera la deuxième période du match Canadien-Détroit. Eh bien, avec la construction du nouveau forum, je ne sais pas si mes collègues vous l'ont dit, mais il a voulu prévoir une nouvelle installation complète en ce qui concerne la position des caméras, etc., etc. Et c'est également pour nous quelque chose de complètement neuf, quelque chose d'absolument nouveau, parce que, évidemment, en faisant disparaître les piliers, nous perdions nos appuis pour nos caméras. Et alors, comment oublier à travers tout ça un absent, mais qui est tout à fait présent parmi nous, je pense à Gaston Dagenais, notre réalisateur, retenu à la maison par la maladie, et qui a contribué, qui a participé à tous ces travaux de préparation au cours des dernières semaines et des longs mois, de même que messieurs Chardola et Fleurquin. Ce sont des artisans, des pionniers de la première heure, et à qui nous devons beaucoup. Voici une rondelle prise par Gilles Tremblay, la passe devant, interceptée par Howe. Et c'est Howe qui tricote un instant avant de pousser le disque plus loin, qui a touché deux jambes et on ne va pas plus loin. Le chiffre dénoncé par le Canadien, 9, par Détroit, 8. Philadelphie mène au compte de 2-1. Mesdames, messieurs, pour Philadelphie, c'était Gendron et Van Imp. Et pour Toronto, Paul Henderson. Béliveau est là avec Provo et Gilles Tremblay. Devant, Paul Mohovlich et Del Vecchio. C'est une descente de Gary Bergman, une remise à Del Vecchio. Le lancer arrive loin à la gauche du but. Le retour est pris par Jean-Claude Tremblay. Sa passe est captée par Provo. De Provo à Béliveau, la passe est belle. Une autre à Gilles Tremblay, prise par le patin, mais en diagonale, en biais, là, il s'est trouvé à l'avancer légèrement. Et c'est lui qui commet le hors-jeu de cette façon. Philadelphie 2, Toronto 1, et à Montréal, Canadien 1,
et Détroit 0. Le disque est pris par Gary Bergman, derrière son but, attendu par Billy Bo, qui est venu tout près de lui faire perdre. Et maintenant, c'est Howe, par derrière, une passe qui est hors d'atteinte nettement vers Del Vecchio. Là, c'est Gilles Tremblay, arrêté par Howe. Le disque libre, après coup, est repris par Serge Savard, qui le renvoie vers Claude Provost. Voilà, de Provost à Billy Bo, et là, à Gilles Tremblay. Une passe arrière, mais que n'avait pas prévu Savard, qui fait que c'est Détroit à la contre-attaque. Maravlech en tête, et là, Del Vecchio qui s'interpose. Et ça, c'est une des spécialités de Del Vecchio. Dans un angle fermé, il touche le but et force adroitement. Béliveau avec une deuxième contre-attaque. Béliveau ici poursuit sa course à Provost, mais Maravlech arrive juste au bon moment pour le gêner et retenir suffisamment son bâton pour l'empêcher de travailler. Et le boulet de Maravlech effleure le bras de Vachon et le disque dévie derrière. Voilà l'immobilisation annoncée de la sorte. Le compte est donc Canadien 1, Détroit 0. La soirée du hockey vous reviendra dans quelques instants. Validez la garantie de votre voiture tout en protégeant celle-ci avec les huiles à moteur Esso. Tout est extra avec Esso. Le disque est pris du côté gauche par Gary Unger, arrêté par Harper. Libre à nouveau, puis saisi par Douglas. C'est une remise à Unger qui s'en défait. Derrière le but de Vachon, le disque est repris par Ted Harris. L'ouverture se présente mal et la passe avant est reçue par Harris après l'intervention de Unger. Le disque est libre, repris du côté gauche par Semkowski. Et là, aussitôt, sa passe prévue par Ferguson lui revient. Mais la sienne verte cournoyée est insaisissable. C'est Ron Harris, une remise à Semkowski, une autre belle passe à McGregor, voilà le tir, bloqué par Vachon avec le patin. Un retour capté par Semkowski, aussitôt son jeu est neutralisé par l'intervention de Harris. Une autre passe qui est libre, et le disque renvoyé au centre par Yvan Cournoyer, reçu par Kent Douglas. Une passe qui échoue, mais le disque repris par Unger, arrêté par Harper. Le disque est capté par Cournoyer aussitôt, sa passe est brisée par Gary Unger, et on ne va pas plus loin, le hors-jeu étant commis de la sorte. À 3 minutes 17, c'est Canadien de Montréal 1, Wings de Détroit 0. Rebonsoir, M. Bailly. Rebonsoir. Je viens de constater, René, il y a des escaliers mobiles au Forum, mais pour un étage. Il y en a trois autres à monter encore avec des marches. Non, seulement en avant, il y a deux étages, mais sur les côtés, un étage. On m'a dit, j'en ai parlé lors de la construction, on m'a dit, Monsieur Bailly est jeune et en forme, il n'y a aucun problème. Voici une rondelle prise par Bergman. Il est rendu au centre et la passe est faite vers Pete Maravlech. Est-ce qu'il arrivera à temps? Jean-Claude Tremblay là qui brise son jeu partiellement. Et voici Richard qui s'interpose. Mais la passe est faible, puis ensuite, une autre tentative de Lemaire qui échoue. Le disque capté par Pete Maravlech, arrêté par Richard. Le voici qui s'avance devant Bobby Bond. Il lance et Sachuk résiste. Voilà une rondelle reprise par Bobby Bond. Bond avec une passe enlevée par Savard à la ligne bleue. Oh là, on s'est bousculé. Savard n'a pas du tout douté le geste de Pete Maravlech. Ce sont deux grands. Maravlech fait 6 pieds 4. Savard s'avance. Le voici en zone adverse. La remise à Lemaire, il lance et le boulet bloqué par Bobby Bond. Voici Savard à nouveau, mais une passe faite avec la main, c'est pourquoi c'est refusé. L'arbitre est Vern Buffet, on se souviendra qu'il y a quelques semaines, au début de l'année, il a été blessé. On en parlait justement avec lui avant le match. Il est tout à fait rétabli, mais il a subi une assez vilaine blessure à une jambe et c'est ce qui l'a rendu inactif pendant quelques temps. Voici une passe de Rousseau à Richard et la dernière est captée par Pete Maravlech. N'est-ce pas que Détroit a refermé son style depuis un an? On sait que Détroit avait une très vilaine fiche à la défensive et là une percée de Lemaire.
Le maire, entraîné sur la bande par Gary Bergman, qui joue une très forte partie. Là, c'est Savard. Savard qui travaille devant Pete Mahomblich. La passe est faite avec le patin et prise par le jeune Lawson, un an passé, un junior. Arrêté par Jean-Claude Tremblay, mais ça n'est pas lui de peur. Jean-Claude qui remet le disque au centre, repris par Bond. Et le tir est exécuté un peu vite. Monsieur Bailly, au cours de notre deuxième pause, nous aurons le plaisir d'interviewer Monsieur Lucien Saunier, Yvon Robert, Émile Bouchard, Paolo Noël et Ginette Renault. Très beau public dans cette soirée de gala qui marque l'ouverture de ce qu'il est convenu d'appeler le nouveau forum. Voici Béliveau avec une passe que ne pouvait saisir Claude Prevost. Del Vecchio maintenant, derrière à Ron Harris qui se défait du disque aussitôt, repris par Terry Harper. La passe est faite vers Gilles Tremblay. Là, Howe intervient devant Ted Harris. Le disque libre est repris par Prevost qui le renvoie à Béliveau. Une autre passe. Et là, c'est Prevost qui fonce. Le voici devant Ken Douglas. Une remise à Béliveau. Et une autre vers Gilles Tremblay. Mais c'est le geste de Ron Harris qui a eu des suites heureuses pour le club des Trois. Une très belle stratégie de Claude Ruel qui oppose des joueurs expérimentés, Gilles Tremblay, Béliveau et Prevost contre les gros canons des Red Wings. Et en même temps, ça permet au public, Jean-Maurice, d'assister à une très belle lutte. La stratégie, les tactiques dessinées par celui-ci, celui-là. Avec un trio comme celui-là, qui représente le Canadien, Béliveau, Gilles Tremblay et Provo, aguerri à tout point de vue, devant des hommes de la trempe de Howe, Mahomblich et Del Vecchio. Bref, chaque geste est à surveiller, à ne pas manquer. Là, c'est Harper qui revient du côté droit. La rondelle lui échappe, elle est prise par Mahomblich. Lui-même arrêté par Harper. Provost intervient, mais la passe est un peu trop en avant de Béliveau. On rentre au centre autour de Ron Harris et la rondelle lui échappe. Elle est prise par Béliveau. Voilà le tir. Oh, beau. Et Sachuk résiste. On sait que Sachuk, l'an dernier, était avec Los Angeles. Une descente de Frank Mahomblich qui travaille hors l'aile. La passe est faite vers Harper, mais coupée à la dernière seconde et le disque est projeté au centre par Gilles Tremblay. Détroit revient à la charge. Une autre passe de Mahomblich à Howe. Et là, voilà le tir bloqué par Ted Harris. Une autre passe de Del Vecchio à Ron Harris. Et un boulet arrêté devant le but. Et la mêlée qui est gâtée aussitôt. Prevost qui s'envole. Et les trois joueurs du Détroit qui restent derrière. Voici une passe à Béliveau. Il lance. Et c'est Douglas qui a fait dévier son tir. Loin à la droite du but. Howe en contre-charge, mais c'était un peu lent, sa tactique. Et les joueurs du Canadien ont pu le rejoindre et lui faire perdre le disque. On est maintenant à 7 minutes et 15 secondes. En deuxième période, le Canadien, toujours avec une avance d'un but. La passe de Harris ira jusqu'au but. Et ceci permet aux Canadiens d'effectuer des changements à la défense maintenant, après l'avant. Gary Unger, celui-là. La passe est faite vers McGregor qui s'infiltre. Mais au moment où il avait Savard à sa merci, un beau repli de ce dernier lui permet d'avoir le dernier mot. Unger, à son tour, exécute une belle course qui lui permet de reprendre le disque. Saisi par Cournoyer et sa passe est captée par Bergman. Bergman revient à la charge. Il est au centre. La remise se fait du côté de Stamkowski. Une autre coupée par le gardien. Et là, c'est McGregor. Mais personne ne pourra recevoir la passe. Philadelphie 2, Toronto 1 en deuxième période. Et à Montréal, Canadien 1, Détroit 0. Une descente de Unger, le numéro 7. La passe est faite vers Stamkowski qui ne l'atteindra pas. Le disque libre, repris par Unger. Une passe et voilà le lancer de McGregor. Et là ensuite, oh le beau tir rapide. C'était rapide et c'est 1-1 maintenant. Revoyons. À la reprise au ralenti d'abord. Le premier tir de McGregor qui est bloqué, il cherche à prendre le retour, mais c'est Stamkowski qui devance Cournoyer de justesse et avec la rondelle déposée à plat sur son bâton, touche la partie supérieure gauche. Stamkowski est employé à l'aile gauche.
contrairement à son poste habituel quand il était avec les Leafs. On sait que lors du dernier match, quand Détroit a gagné 7-5 contre Boston, il avait marqué 2 buts. Cette partie d'hockey vous parvient du nouveau Forum de Montréal. L'essence SO Extra possède un agent nettoyeur qui décrase votre carburateur. Roulez heureux, roulez SO Extra. De McGregor et Unger à 8 minutes 23 secondes. Détroit goal 8 minutes 23 secondes. Assisted by McGregor and Unger. The time 8:23. Eh bien, ceci nous prépare à un match qui sera sans doute chaudement débattu. Avec l'égalité maintenant, et Détroit qui s'est fort bien défendu, voici une descente de Cournoyer. La rondelle lui échappe au moment où Bergman le mettait en échec solidement. Unger avec une passe qui dévie sur le bâton de Stemkowski. Ferguson qui intervient et qui pousse la rondelle en zone adverse. C'est 1-1, je le répète. Gary Bergman dessine une attaque. La passe va ici de Stemkowski à Unger. Unger avec McGregor, lui remet le disque, une autre passe. Stemkowski, oh, est arrêté, mais la toute dernière fraction de seconde. Et voici Backstrom qui revient en charge. Backstrom a renvoyé le disque au centre, repris aussitôt par Bobby Bond. Son lancer arrive à la droite du but, Gary Unger, arrêté par Jean-Claude Tremblay. Voilà la remise de Tremblay à Cournoyer, l'attaque à trois hommes. Cournoyer derrière à Backstrom, il lance et rate le but. Et le retour qui a touché Cournoyer et ensuite saisi au vol par Sarchuk. On est à 9 minutes et 25 secondes au deuxième 20. C'est Canadien 1, Détroit 1. Béliveau a marqué à 4 minutes 38 avec l'aide de Provost et Gilles Tremblay. Et en deuxième reprise, à 8 minutes 23 secondes, Stemkowski avec son quatrième de l'année sur des passes de McGregor et Unger. Le maire est devant Pete Mahovlich. Le disque est pris par Ted Harris, mais il le pousse un peu plus loin. Il ne peut le reprendre lui-même. C'est Douglas avec une passe enlevée par Rousseau. La tienne touche le patin de Richard. Richard ici hésite un moment. C'est une passe qui est dans les airs. Le disque est repris par Douglas et ce ne sera pas un dégagement. C'est plutôt un lancer d'un bout à l'autre de la patinoire. Terry Harper avec une passe saisie par Richard. Richard abandonne involontairement le disque au centre, repris par Kent Douglas. The Douglas Apprentice, le tir vient de loin, après l'arrêt de Vachon. C'est une remise devant et confusion entre Vachon et Richard. Voici le maire, dont la passe avant est coupée par Ron Harris. Et le disque après coup va de Lawson à Douglas. Une autre passe, Apprentice. Et une autre. Et là, c'est le lancer de Pete Mahovlich qui touche le bâton de Harris et dévie. C'est Rousseau qui démarre. Rousseau, la rondelle reste accrochée à son patin un moment, puis renvoyée au centre par Prentice. Elle lui revient une seconde fois. Dean Prentice, avec un lancer bloqué par Vachon. Un retour de Ted Harris. Et la longue passe, trop en avant de Rousseau, sera saisie par Gary Bergman. Une mauvaise passe. Et là, c'est Richard. Richard vers le maire, et le maire n'était pas à l'aise pour lancer. La passe était un peu près de ses pieds. Et il a à peine touché, ce qui fait que la tâche de Sarchuk a été beaucoup plus simple de la sorte. Voici Richard, après ce magnifique jeu dessiné de la sorte, à Rousseau, à Harper, et là vers le maire, mais il n'a pu saisir la passe au vol. Hors jeu et dégagement à la fois. À Saint-Louis, Minnesota, René Mann, on voit Bill Gadsby derrière le banc des Red Wings. Eh bien, ce Gadsby a donné plus de fermeté à la défensive. Et on revoit le dernier jeu tantôt lorsque le maire est arrivé devant Sarchuk. Oui, mais après avoir pris la passe de Richard, elle était un peu près de ses pieds, il n'était pas à l'aise, il n'a pas pu se placer. Mais de toute façon, il était déjà rendu devant Sarchuk. Oh là, c'est Vachon qui a été formidable. Vachon ici, après le geste de Del Vecchio, est venu couper la petite ouverture grâce à sa vitesse. Et bien Minnesota a marqué un but et c'est Claude Larose avec l'aide de gaucher et McCord.
Ouais, c'est ce qui s'est passé tantôt, que l'on revoit au ralenti, l'incursion, l'éruption subite d'El Vecchio qui était vraiment dangereuse. Là, la passe de Provost est prise par Dean Prentice. Mais son lancer à lui, il n'avait pas vu d'El Vecchio, arrive en zone adverse un peu vite. Je parlais tantôt de Bill Gadsby. On m'a dit que lors du premier match Canadien-Détroit, le Canadien avait presque ridiculisé les joueurs des Red Wings à Détroit. Eh bien, ce soir, ce n'est pas la même chose et Bill Gadsby a raffermi sa défensive. Oui, ça s'est beaucoup resserré. Oh. D'ailleurs, l'équipe est dirigée par un défenseur, voilà. Un ancien défenseur. Mais qui aimait l'attaque, cependant. Oui, mais enfin, c'est assez typique. La rondelle est prise par Gilles Tremblay. Il la perd lorsqu'une fois devant Frank Mahovlich. Savard est celui qui démarre, mais arrêté aussitôt. Détroit est très ferme dans ses tactiques. Une passe que fait dévier Mahovlich, Frank. Le disque est repris par Jean-Claude Tremblay. Tremblay revient sur ses pas, poursuivi par Del Vecchio. Voilà la longue passe faite vers Béliveau. Béliveau est rendu au centre. Une belle passe à Gilles Tremblay, mais Howe est celui qui lui a fait perdre le disque. Howe ne l'a pas quitté d'un instant. Et lorsqu'il a voulu, avec une petite feinte, se replacer pour obliquer, l'autre était là qui guettait. Et en plus d'habileté, ça s'appelle expérience. Bond prend la passe de son coéquipier, en fait une à son tour. Celle de Howe est interceptée au centre, mais le disque est aussitôt repli par Frank Mahovlich, qui cherche à contourner Jean-Claude Tremblay, mais le disque lui échappe au moment où il avait à sa merci nettement. Là, c'est Mahovlich encore, une passe enlevée par Savard. Savard est rendu au centre, une attaque 4-4. Savard, ici, vers Provost, il y a eu confusion encore. Et l'attaque du Canadien, là, ici, fonctionne plus difficilement qu'au début. Oh là, ici, c'est le repli de Harris qui a empêché le lancer de Stamkos, qui est d'avoir des suites néfastes chez le Canadien. Depuis deux instants, là, environ deux minutes et demie, le Canadien est malmené par son rival. Et pendant que lui, de son côté, le Canadien, a du mal à donner de la cohésion à son jeu d'attaque, c'est sa défensive qui faiblit. Backstrom devant Unger. Le disque est libre, puis pris par Harris. Le Harris ici vers Cournoyer. La passe avant de Cournoyer est saisie par Ron Harris. Une autre vers Stamkos, le disque lui échappe, repris par Cournoyer à Ferguson. Ferguson en zone adverse. Un lancer arrêté par Sadchuk et le disque lui appartient jusqu'au coup de sifflet. 6 minutes 19 secondes encore, pendant qu'on aperçoit la silhouette de ce grand du hockey qui a enregistré plus de 100 blanchissages, certainement un des gardiens les plus illustres dans l'histoire du jeu, dont la carrière débutait avec Détroit. Là même où il est revenu. Le disque est pris par Backstrom. C'est une passe à Cournoyer, une autre à Ferguson. Et la dernière coupée par Douglas. Et une remise à McGregor. L'attaque se fait à trois encore. McGregor devant Ted Harris, qui l'entraîne dans le coin, le fait déborder. Le disque est repris par Cournoyer. Une autre attaque menée à trois hommes. Une passe à Backstrom. Derrière à Cournoyer, il lance un bel arrêt. Et ensuite, Harper qui s'élance. Et dont le tir est bloqué par Ron Harris. Là, il faut faire vite chez le Canadien. Remise à McGregor. Et c'est Ted Harris qui fait dévier le disque dans la foule pendant que le jeu s'animait. Eh bien, ici, après les instants de la première période où la défensive dominait et surtout le jeu de position, ça revient avec du jeu animé. Le compte est donc Canadien 1-3-1. La soirée du hockey vous reviendra dans quelques instants. Vous ne pouvez jamais prévoir l'instant où votre moteur calera. Il suffit de si peu. À vrai dire,
Même ces petits dépôts de saleté peuvent étouffer votre moteur. Seule la nouvelle SO Extra avec Netra Moteur empêche la formation de dépôts lorsque vous roulez. Assurez à votre moteur des démarrages rapides et un rendement supérieur. Roulez heureux. Roulez SO Extra. L'essence avec Netra Moteur. De mille en mille, tout est extra avec SO. On annonce maintenant que c'est Minnesota 1 et Saint-Louis 1. Voici Mahavlich devant Richard. Le disque est pris par Jean-Claude Tremblay. La passe est faite vers Serge Savard. Savard est rendu au centre. Le lancer touche la bande du côté gauche après avoir effleuré le bâton du gardien. C'est Dean Prentice, celui-là, qui hésite un moment avant de remettre le disque à Pete Mahavlich. Une passe coupée par le maire. La sienne est enlevée par Bergman. Et c'en est une dernière, faite vers Pete Mahavlich, dont le lancer vient de loin, mais il a touché le but. Oh là, une rondelle renvoyée par le gardien qui a touché un opposant, mais reprise heureusement pour le Canadien par Rousseau. Devant vers Richard, et c'est coupé par Dean Prentice, un autre ailier gauche qui veille toujours au port. Une descente de Pete Mahavlich, le lancer trop, on se méfie du retour, et on n'ira pas plus loin. Canadien 1, Détroit 1. Bien, jusqu'ici, René, on peut dire qu'en deuxième période, Détroit a sûrement eu l'avantage du jeu en jouant d'une façon plus vive et plus mordante. Rappelons qu'à notre deuxième pause, nous aurons le plaisir d'interviewer M. Lucien Saunier du comité exécutif de la Ville de Montréal, Yvon Robert, Émile Bouchard, Paolo Noël, ainsi que la pétillante Ginette Renault. Merci, ce sera donc Béliveau, Gilles Tremblay et Provost devant Delvecchio Howe et Frank Mahavlich. Et la lutte reprend de plus belle. Un lancer qui vient de loin, arrêté par Jean-Claude Tremblay. De Tremblay à Béliveau. Là, la longue passe de Béliveau est enlevée par Frank Mahavlich. Provost intervient. C'est une passe qui est reçue au centre à Ron Harris. Et c'est lui qui se défait de la rondelle. Elle longe la bande, puis prise par Delvecchio. La passe est coupée partiellement, le disque est repris par Savard. C'est une passe avant saisie par Harris. Et là, ici, Vachon ne voyait pas venir la rondelle. C'était une trajectoire assez difficile à suivre avec la circulation qui se faisait devant lui. Et là, c'est Béliveau avec une passe enlevée par Ron Harris. Devant lui, c'était Gilles Tremblay, mais il n'a pu reprendre le disque à temps. Libanuvo est saisi par Frank Mahavlich, aussitôt une belle passe à Delvecchio. Belle cohésion, beau jeu d'ensemble chez Détroit, dont l'attaque ne manque pas d'autorité. Jean-Claude Tremblay qui fait perdre la rondelle à Delvecchio, mais elle est reprise par Ron Harris, un lancer qui dévie après avoir touché un bâton. Et Jean-Claude Tremblay qui revient sur ses pas, tendu par Howe. Une remise agile et une autre passe à Béliveau. Béliveau arrêté par Frank Mahavlich. De Gilles Tremblay à Claude Provost. Voilà le tir arrêté par Sarchuk. Un retour saisi par Frank Mahavlich. Changement annoncé par Claude Ruel du Canadien. Delvecchio qui s'est défait de Harper, mais arrêté par Ferguson. Le disque est libre pris par Howe. Et là, enlevé par Rousseau. Une attaque à trois hommes. Rousseau avec Ferguson. Ferguson lance. Et Sarchuk a le dernier mot. Et il a fait vite. Non seulement a-t-il bloqué, mais il a enlevé toute possibilité à Rousseau de venir cueillir leur tour. Cette partie d'hockey vous parvient du nouveau Forum de Montréal. L'huile à moteur Esso Uniflow, toute saison, de qualité extra supérieure, protège votre auto et votre garantie. Elle porte le sceau qui valide la garantie. En deuxième encore, 3 minutes et 15 secondes. En première, un but du Canadien marqué par Jean Béliveau. Voici la reprise, la belle passe de Rousseau, calculée à l'extrême, à la perfection. Mais Sarchuk a mis du temps à bouger, et lorsqu'il l'a fait, c'était pour vrai. Voici Harper avec un lancer, arrêté à la défense, et le maire ici ensuite. Et là, Rousseau qui est frustré, et le maire qui perd le retour, mais là, en ce qui le concerne, l'angle était presque inexistant. Temkovski a pêché en traversant la ligne un peu tôt, et c'est lui qui a créé le hors-jeu. On va commencer dans la zone neutre. Canadien 1, Détroit 1. Avec exactement 3 minutes à faire encore en deuxième.
Ted Harris est là, une remise à Harper. La passe au centre est enlevée par Semparski. Le disque est repris par Jacques Lemaire. Voici Lemaire à l'aile gauche. La longue passe à Rousseau, mais elle a touché la partie supérieure de son bâton et a poursuivi sa course dans la foule. Canadien 1, Détroit 1 en fin de deuxième période. Terry Sawchuk a 38 ans. Il a été blessé plusieurs fois l'an dernier. On sait qu'il a passé brièvement aux Bruins de Boston. Il est passé à cette équipe il y a environ une dizaine d'années. Et ensuite, il est revenu à Détroit. C'est donc son troisième voyage chez les Wings. Il était allé à Los Angeles, mais dans le repêchage annuel, à l'occasion de la venue de 6 nouveaux clubs. Au centre de la glace, c'est Harris qui remet le disque à Harper, qui le renvoie à Robert Rousseau. Une passe à Richard, derrière à Lemaire. Oh, Lemaire a été retenu juste assez par McGregor, sans être fautif, sans pécher par obstruction ou autre chose, mais juste assez pour le gêner. Et il faut être habile, parce que Lemaire a des poignets et des bras très forts. De toute façon, le jeu était caractéristique des deux dernières minutes en ce qui concerne le Canadien. Après avoir connu des moments difficiles qui ont duré un bon 5 minutes où toute cohésion à l'attaque et toute autorité semblait perdue, c'est revenu subitement. Et là, le boulet est subi par Sawchuk venant. Oh là, venant dès la mise au jeu. Sawchuk semble avoir été blessé légèrement à une main. Il a été blessé en effet à un doigt. Voici tout de suite le tir foudroyant de Lemaire. L'autre a résisté. Rousseau est venu capter leur tour, mais ça n'a pas eu de suite vraiment. Eh bien, ce sera l'arrêt de quelques instants, pendant que le soigneur Lefty Wilson et son adjoint feront un pansement temporaire à ce gardien valeureux qui en a vu de toutes les couleurs. Croyez-moi, une blessure à un doigt pour Sawchuk, c'est bien petite chose. Il n'a pas toujours porté le masque, on le sait. Il a été en quelque sorte l'initiateur de la pose accroupie. Et lorsqu'il avait 19 ans, et en même temps lorsque Détroit comptait ses équipes redoutables et quasi invincibles, Sawchuk était le gardien de but. Et auparavant, il y avait Lumley. Mais quand Sawchuk est venu, quand il a fait son apparition au firmament du hockey professionnel, il était tellement formidable, tellement brillant, qu'il a en quelque sorte remplacé Lumley. Détroit a conclu un échange afin de permettre à Sawchuk de s'installer tout de suite devant le filet des Wings et pour longtemps. Et c'est là qu'il a connu des années glorieuses, on s'en souvient, des années incomparables, parce qu'en plus de ses 100 blanchissages, il a eu une histoire à une autre pareille. Et aujourd'hui, sa carrière se poursuit, et il a une très belle soirée. Et là, c'est Cournoyer qui vient tout près de déjouer, mais le tir est un peu trop à la gauche du but. Quand je dis à la gauche, c'est en ce qui concerne la position devant l'appareil de télévision, si vous voulez. De Ferguson à Cournoyer, qui se défait du disque. Seulement 1 minute et 35 secondes encore, au moment où le Canadien accentue le tempo, presse le pas. C'est Ted Harris avec une passe enlevée au centre par Pete Mahovlich. Le disque est renvoyé au centre à prudence par Ferguson, repris par Ron Harris, un autre qui s'affirme. Certainement, Jean-Claude Tremblay à Backstrom qui démarre avec Ferguson et Cournoyer. Backstrom fait une chute. C'est malheureux parce qu'il semblait avoir Douglas à sa merci. Une attaque menée par Lawson. Une remise à Prentice. Le lancer est arrêté. Et on va se disputer leur tour sur la bande. Une passe prise par Ron Harris. Le lancer rate le but. Et un autre lancer de Del Vecchio dans un angle fermé qui touche le but néanmoins. Et Cournoyer avec 45 secondes qui démarre. Cournoyer arrêté par Douglas et le disque est remis au centre par Del Vecchio. On a vu le repli de ce vétéran Del Vecchio, le capitaine. Voici Jean-Claude Tremblay en zone adverse, mais
Malheureusement pour lui, la taxe faisait à 4 et on l'advançait quand il a esquissé ce petit virage. Canadiens 1 et Détroit 1, avec 35 secondes encore. Je répète, au cours du prochain entracte, nous aurons le plaisir, le bonheur de vous présenter plusieurs de nos invités, de nos distingués visiteurs qu'on a eu l'occasion d'applaudir avant le match au centre de la patinoire. Voici une rondelle reçue au centre par Terry Harper. Une demi-minute encore. Harper s'en défait et le geste est refusé, bien sûr, puisque le lancer provenait de la moitié de la glace occupée par le Canadien. Eh bien, voici donc un adversaire qui a les dents solides, Détroit, et qui n'entend pas lâcher prise. Coriace, il faut le dire, et qui s'est fort bien défendu ce soir. Al Mahovlich et Del Vecchio. Provo a pris le disque et l'a remis à Harper, qui le renvoie faiblement en zone adverse. Voici Frank Mahovlich qui s'en défait. Seulement 8 secondes. Harris avec un lancer. Automatiquement refusé. Il aurait voulu toucher le but. Et suite était la fin de cet engagement. On aura donc l'occasion de procéder à une mise au jeu. Mais avec seulement 2 secondes, Claude Ruel et les siens s'en méfieront. 2 secondes, c'est le temps de décocher un tir, surtout quand on s'appelle Del Vecchio. Alors attention, en biais là, mais il faut dire que Béliveau est au courant de la situation. Alors surveillons bien. Voilà, c'est fait et en même temps, c'est la fin de cette deuxième période qui a vu Détroit niveler le pointage. C'est donc le compte après 2 périodes de jeu, Canadiens 1 et Détroit 1. Dans quelques instants, notre deuxième entracte. Jamais prévoir l'instant où votre moteur calera. Il suffit de si peu. À vrai dire, même ces petits dépôts de saleté peuvent étouffer votre moteur. Seule la nouvelle essence SO Extra avec Nettoie Moteur empêche la formation de dépôts lorsque vous roulez. Assurez à votre moteur des démarrages rapides et un rendement supérieur. Roulez heureux, roulez SO Extra. De mille en mille, tout est extra avec SO. Il y a quelques heures à peine, il était à Mexico, à Acapulco plus précisément. Il faisait, Richard, 90 degrés là-bas. Et comment on sent de se retremper dans le hockey au Québec? Eh bien, on se sent très bien, d'autant plus que ce soir, c'est une circonstance très spéciale. Comment? Et justement, j'aimerais présenter notre premier invité qui a fait les beaux jours du forum, de l'ancien forum. Yvon Robert, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce nouveau forum rénové ce soir? Réellement, ça me rappelle des beaux souvenirs. Mais quels sont vos plus beaux souvenirs, justement? Vous avez été champion combien de fois? 8 fois reconnu. 8 fois reconnu? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, reconnu? Mais reconnu dans le monde entier. Ah quoi. Bon? Ah bon? Et quels sont vos plus beaux souvenirs? Quels sont vos plus beaux combats? Ben, les plus beaux combats, je crois, quand j'ai gagné le championnat du monde en 36 contre Dan O'Mahony, ici au Forum. Mm-hmm. Et ensuite, vous avez eu plusieurs batailles épiques contre Lutèce. Lutèce, Manakoff, Primo Carnaro. Ben, j'ai fait au-dessus de 3000 combats. J'ai fait le tour de l'Europe, j'ai fait le tour du monde. Mm-hmm. Vous avez fait le tour du monde en tant que lutteur. Vous avez lutté partout en Europe. Partout, oui. Partout. Est-ce que ça vous a fait une impression assez spéciale quand vous avez vu ce nouveau forum ce soir? Est-ce que ça vous a fait revenir tous ces souvenirs? Ça vous a remémoré tous ces souvenirs? Ça fait revenir des souvenirs, mais l'ambiance qu'on avait dans notre temps, c'est tout nouveau, comme tout marche aujourd'hui, quoi, la nouveauté. Mais c'est très, très beau. C'est très spacieux. Ça me représente beaucoup les arénas américaines, ce qu'on faisait comme le Madison Square Garden, ces places-là, Saint-Louis. Ça vaut la peine. On devrait être fiers de notre forum. Tantôt, Yvon Robert, on parlait du Mexique. Vous avez dit que vous, c'était Miami qui vous intéressait beaucoup.
Je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est une rumeur, que vous aviez peut-être l'intention d'aller vous établir là-bas. Est-ce que c'est vrai? Je crois que la rumeur est fondée. Mais vous avez l'air encore très en forme physiquement. Est-ce que vous continuez à vous entraîner un non, peu? Non. Je fais un peu d'exercice, mais c'est pas trop recommandé pour moi. Mais j'ai mon garçon qui s'en vient très, très bien, qui est champion amateur. Donc, ça va aux États-Unis maintenant, justement, pour vous entraîner comme professionnel. Vous êtes champion amateur. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce qu'il a l'intention de faire de la lutte professionnelle ou s'il veut peut-être un jour essayer de participer aux Olympiques? Ben, je crois que oui. Je crois qu'il veut retourner professionnel. Ça va dépendre un peu, là. Si, à son âge, maintenant, je lui dis pourquoi faire, parce qu'il est plus gros que moi, puis plus grand que moi. Alors, je parle pas beaucoup dans la maison, maintenant. Alors, Yvon Robert, bon voyage et merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Et maintenant, Lionel Duval et son invité. Merci, Richard. Et voici un autre bâtisseur de cet empire du Canadien, Émile Bouchard. Bonsoir, Émile. Bonsoir, Lionel. Si l'on vous demandait en premier lieu vos impressions de ce magnifique amphithéâtre. Ben voici, je constate qu'il y a beaucoup d'espace, surtout à l'entrée. Ça fait joliment différent avec autrefois. C'est plus dégagé. Et en plus, l'architecture, le décorateur a su agencer la décoration avec l'architecture actuelle. On a souvent dit que Détroit pouvait gâcher de pareilles cérémonies à l'ouverture du Forum. Ça s'est déjà passé. On se rend compte que Détroit, ce soir, joue un match colossal. Oui, en effet, ils ont déjà gâché ma soirée. C'est vrai, ça? Je me souviens, en 1953, au mois de février. Alors, ils nous avaient battus 4-3. Eh bien, nous allons revoir maintenant le but des Red Wings, compté par Pete Stemkowski. Et ça, c'est grâce à un travail acharné de tous les instants. Détroit qui a pressé le pas au deuxième banc, qui a bien joué. Ce qui m'impressionne peut-être aussi chez les Wings ce soir, c'est leur défensive. Oui, je crois qu'ils ont une assez bonne défensive. Et j'ai l'impression que le Canadien, tout de même, va l'emporter en troisième période. J'ai eu l'impression que la rondelle avait frappé le poteau, mais durant la partie, mais je me suis trompé. Elle est bien entrée à l'intérieur, juste à l'intérieur du poteau, quelques pouces. C'est là où la technique merveilleuse de la télévision entre en ligne de compte. C'est un avantage pour le partisan. Voyez-vous, on la voit entrer. Mais d'ici, là, j'ai eu l'impression qu'il avait frappé le poteau. Émile Bouchard, si l'on vous demandait, pendant que nous assistons... Ah oui, ça, c'est la descente de Robert Rousseau et Jacques Lemaire qui coupait devant le filet. Oui, malheureusement, lorsqu'il a eu la passe, il était trop près du gardien de but, Sarchak. Il a essayé de pousser, mais Sarchak s'étant écrasé devant. Il a bloqué le coup. Merci beaucoup, Émile. Bienvenue, Lionel. Merci, félicitations. La soirée du hockey vous reviendra dans quelques instants. Si votre salon vous donne la sensation des tropiques, et votre vestibule, celle du pôle Nord, peut-être que votre système de chauffage est défectueux. Mais quelqu'un peut vous aider. Faites appel à Esso. Sans obligation de votre part, un spécialiste Esso viendra chez vous. Mesurera soigneusement le volume de chaque pièce et vérifiera la température à tous les niveaux critiques. Il inspectera les conduits d'air chaud pour s'assurer qu'il dirige la chaleur nécessaire vers chaque pièce. Puis, parmi la grande variété des fournaises à l'huile Esso, il fera installer celle qui répondra le mieux à vos besoins. Ce service spécialisé Esso vous assurera un confort complet et économique. Vous pouvez l'acheter à tempérament, aucun versement initial, paiement mensuel raisonnable. Pour plus de renseignements, faites appel à Esso. Je promets d'aimer, d'honorer, d'obéir et de passer la moitié de ma vie dans une wagonette. Elle vivra heureuse si la wagonette est une Country Squire 69 de Ford. Elle n'aura plus à se pencher par-dessus l'abattant. Les Ford ont un abattant magique qui s'ouvre comme une porte même avec la glace relevée. La Country Squire, une magnifique réalisation signée Ford, le maître constructeur de wagonettes. Mesdames, Messieurs, moi je n'aurais jamais cru qu'un jour j'interviewerais Ginette Renault à l'occasion d'une partie de hockey. Oh mon Dieu. Vous aimez le hockey, vous? Beaucoup. Oui. Et c'est la première fois que j'y assiste comme ça au Forum. Mm-hmm. Je trouve ça extraordinaire. Mon Dieu, que les périodes passent vite. Bon, ça, je sais que votre copain ici, là, le marin, il connaît le hockey, il aime le hockey. Bon, on y reviendra tantôt.
Alors, c'est la première fois que vous voyez une partie de hockey en personne au Forum. C'est ça, la première Mais fois. Mais vous connaissez le Forum autrefois. Bah, vous avez chanté ici. J'ai déjà chanté ici, oui, il y a 3-4 ans, je pense. Bon. Alors, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous reconnaissez l'intérieur? Non, c'est très joli, c'est bien comme... Mais c'est surtout la partie de hockey qui vous intéresse. Oh, la partie de hockey m'intéresse beaucoup. Bon, est-ce que vous allez revenir? Même que mon mari et moi discutions tantôt d'acheter un billet de saison. Vous pensez d'en avoir? Peut-être, on ne sait jamais. Ah, vous vous appelez Ginette Renaud, vous avez peut-être des chances. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous faites de bon en ce moment? Eh bien, en ce moment, pour être bien franche, je change de couche, ma petite. Je lui donne son bain à la journée. Bon, alors on n'en fera pas un jour de hockey de celle-là. Je pense pas. Si elle est comme sa mère, elle fera sûrement beaucoup de sport. On fait un peu de tout. Oui, sûrement. Vous permettez que je pose avec votre copain, là, le marin? Paolo Noël, le marin, est-ce que vous allez tendre vos voiles ici? Non, mais j'ai tendu mes yeux, par exemple. Mais est-ce qu'ils ont ajouté des bancs cette fois-ci? Il n'y a plus de bancs qu'avant? Bien, c'est sûr. Il y a 3000 à 4000 sièges de plus. Bon, je vais peut-être avoir une chance d'avoir des billets maintenant. Ah, parce que vous aussi, vous ne pouviez pas venir au Forum? Non, pas moyen d'avoir des billets. C'est vrai. Je pense que c'est encore difficile. Oui. Mais est-ce que, je sais que vous aimez beaucoup la voile et tout, mais est-ce que le sport du hockey vous intéresse? Ça m'intéresse, oui. J'ai toujours regardé... Justement, j'ai parlé à ma femme ce soir, je disais qu'on regardait... Autrefois, j'écoutais la radio, ouais. Je parlais de M. Bouchard, et tout ça. Ça ne vous rajeunit pas, ça, de vous? Non, mais ça fait rien. Elle est au berceau, elle, Ginette. Mais entre vieux, on peut se parler quand Oui, vous avez raison. Là, je suis entièrement d'accord et je suis même plus âgé que vous, parce que j'ai vu jouer à Wimorens, moi. Ah oui? Et Aurèle Jolière. Ah oui? Ça ne me rajeunit pas. Justement, puis, ce soir, j'étais assez impressionné. Vraiment, j'étais impressionné. Je pense que vous avez trouvé le mot juste parce que ceux qui n'ont pas vu le nouvel intérieur du Forum, c'est tellement vaste, c'est tellement grand et il n'y a pas de colonne. Alors là, les gens sont tous surpris, ils sont complètement ébahis, c'est comme le dire, de voir cette rénovation avoir eu tellement de succès. Et puis, il y a une chose aussi, il ne fait pas froid. Non, ça, il fait très chaud. Il fait très chaud. Il y a de la glace, mais... Ah, parce que là, l'histoire de mettre des grandes combinaisons pour aller voir le hockey, c'est plus question, hein? C'est fini complètement. Non, c'est fini, là. Merci, Paro Noël. Et Ginette Renaud, on vous souhaite beaucoup de succès. Je vous remercie. Vous allez chanter bientôt à la Comédie canadienne. Vous préparez un nouveau tour de chant. En février pour 2 semaines. Je pense que c'est les 2 dernières de février. Comme il n'y a pas du hockey tous les soirs, on ira vous voir. Je vous remercie. Merci, Ginette. Ah, bonsoir. Ben. Bonsoir. Bonjour. Et maintenant, Richard Garneau et un invité de marque. Un invité de marque, oui. C'est le président du comité exécutif de la ville de Montréal, M. Lucien Saunier. Est-ce que vous avez vu jouer Morenz et Aurèle Joliat, M. Saunier? Ah oui. Moi, j'ai... atteint cet âge vénérable dans la vie où j'ai des souvenirs de parties où évoluaient Howie Morin, Joliat, Pete Morin, les frères Gagnon, Ainsworth, etc., tous les grands noms du hockey. Mais avant de parler de vos plus beaux souvenirs ici au Forum de Montréal, ou du moins à l'ancien Forum, vous pourriez peut-être nous dire ce que ça représente pour la ville de Montréal, que ce nouvel édifice merveilleux, très spacieux, très grand. Je pense que c'est une très grande réussite et qu'il y a lieu de féliciter les propriétaires du Forum, les propriétaires du Canadien, de cet élément extrêmement valable qui vient d'être ajouté aux nombreuses installations qui font la renommée de Montréal dans le monde. Et on peut donc dire que les gens du sport, du hockey tout particulièrement, participent à... mieux asseoir encore cette renommée de Montréal, d'une grande ville internationale. Et ce n'est pas fini, je crois. Maintenant, vous avez commencé à nous parler tantôt de ces joueurs, Morin, Jolia, Gagnon et les autres. Est-ce que ça compte parmi vos plus beaux souvenirs, ça? Est-ce que c'était, selon vous, les plus belles années ici au Forum? Ça a été sûrement les années les plus belles et peut-être celles qui marquent le plus, étant donné que ça s'est passé à l'époque où j'avais, je pense, 12 ou 13 ans, et qu'à ce moment-là, une distraction comme celle de venir voir une partie de hockey, c'était une grande récompense qu'il fallait gagner après avoir obtenu d'excellentes notes à l'école. Oui. J'avais donc une fois réussi, et mes parents m'avaient donné de 50 sous qu'il fallait verser pour s'asseoir dans la section dite, à ce moment-là, des millionnaires. Mmh. Et c'était ma première visite dans le vieux Forum. Ce soir... C'est ma première visite dans le nouveau Forum, et cette fois-ci, il arrive que je suis placé dans une section où il y a de vrais millionnaires. De vrais millionnaires, mais vous avez assisté aussi à des matchs aux plus belles années de Maurice Richard. Dieu, oui.
sans aucun doute. Et puis, comme tous les Montréalais, il est sûrement une des grandes idoles du sport. Et il est sûrement, sa vie a été une inspiration pour toute une jeunesse. Et ce n'est pas pour rien que nous devons, dans les parcs municipaux, organiser autant de clubs de hockey qui sont en quelque sorte les jeunes clubs fermes qui préparent les équipes qui vont remporter les victoires de l'avenir. Monsieur Lucien Saunier, merci infiniment de nous avoir rappelé vos souvenirs et de nous avoir parlé de ce nouvel édifice. Merci. Eh bien, dans quelques instants, René Lecavalier et Jean-Maurice Bailly et le reportage de la troisième période de ce match. C'était déjà la préférée, elle revient cette année se faire adorer. Sportive comme la décapotable, racée comme la Mark 1 ou chic comme la Grande, la Mustang 69 part en flèche. Voici le sommaire d'abord, mesdames, messieurs. Pour le Canadien, c'était Béliveau à 4 minutes et 38 secondes avec l'aide de Provost et Gilles Tremblay en première période. Et en deuxième pour Détroit, Pete Stemkowski à 8 minutes et 23 secondes sur des passes de McGregor et Unger. Pour Béliveau, il s'agissait d'un sixième but cette année. Très beau départ. Et pour Stemkowski, son quatrième. C'est maintenant à Toronto aux dernières nouvelles. Enfin, en troisième période pour Toronto, Bill Sutherland a marqué avec l'aide de Keon. Et en première période, c'était pour Philadelphie, Gendron et Vanim. Et pour Toronto, Henderson. À Montréal, Canadien 1 et Détroit 1. Béliveau, Gilles Tremblay et Provost, avec comme arrière Jean-Claude Tremblay et Savard. Devant, Howe, Delvecchio et Mahovlich, dont les défenseurs sont Bergman et Barnes. C'est Béliveau qui est là. Le voici qui travaille en zone adverse. Une passe à Gilles Tremblay, remise à Provost. Le lancer bloqué par Delvecchio et c'est lui qui s'est fait du 10, qui arrive loin en zone adverse. Le premier rendu est Savard. Dégagement refusé. Savard a juste pu devancer Howe. Il lui a fallu faire vite. Et ce premier arrêt se produit à 27 secondes en troisième période. L'arbitre est Vern Buffy. Ses adjoints sont Pavlich et Armstrong. Le Canadien joue son prochain match à Montréal, jeudi contre Pittsburgh. Et ensuite, samedi prochain, c'est contre Saint-Louis. Une descente de Delvecchio, le voici avec Mahovlich à sa gauche. Il hésite un moment, encore. Et là, la passe est coupée par Gilles Tremblay. De Tremblay à Béliveau, l'attaque perd quatre hommes. Béliveau arrêté par Bergman, un bon jeu de la part de celui-ci. Et là, c'est Provost qui renvoie le disque en zone adverse. Canadien 1, Détroit 1. À 57 secondes. Une passe de Bergman coupée par Provost. C'est lui qui s'avance en zone adverse. Une remise à Gilles Tremblay. Le lancer du vrai est là. Tkachuk résiste. Gilles allait faire une passe quand il a vu que le défenseur gauche, Bergman, pensant qu'il y aurait passe, s'est retiré légèrement. Et c'est là qu'il s'est avancé de plus en plus, jusqu'à ce qu'il parvienne à 45 degrés à décocher son tir du revers. Mais, comme on en parlait tantôt au cours de l'entracte, pendant que messieurs, vous travailliez ailleurs, je m'adresse à M. Bailly. Tkachuk, ce soir, se défend fort bien.
c'est une espèce de muraille solide, servie par une très belle expérience. Il joue fort bien sa position. Et l'échec avant du Détroit est extraordinaire aussi, je crois. Oui. Voilà la passe de Richard, coupée par Unger. Une autre de Harper, prise par le maire. Le maire s'avance et le lancer dévie sur le bâton de Harris. Là, c'est de Rousseau à Richard, une passe avant et le maire voit son lancer bloqué par Sachuk. De Richard à le maire, il lance un boulet. Et là, vraiment, c'était une frappe du tonnerre, mais trop haute. Unger, avec une passe enlevée par Harper. La sienne touche le patin de Richard et s'en va plus loin. Sachuk intervient, Richard reprend le disque. La passe est coupée, Harris intervient. Remet le disque un peu plus loin vers Rousseau. Rousseau ici, là c'était serré. Rousseau encore, derrière le but. Il se retourne et le disque lui échappe au moment où il est mis en échec par Harris. Le disque est repris par Ted Harris, il le perd. Voici l'arrivée de Hunger en zone adverse, c'est dangereux. Oh, le bel arrêt de Vachon. Et le disque repris par Jacques Lemaire. Une passe à Richard, il est arrêté. Le disque est libre, repris par Gary Hunger. Une passe arrière enlevée par Richard. Richard descend avec Rousseau. Ça se fait à deux. À Rousseau, à Richard, il lance. Richard se bloque. Et Rousseau, tirateur court. Robert Rousseau, encore une fois, n'a vraiment pas de veine. Comme on dit souvent, ce qu'il faut, c'est un but. Sinon, le joueur perd confiance en lui-même. Et il a du mal à toucher le but. Rousseau encore, avec Richard. Une passe à Richard. Et le lancer arrêté par Sachuk. Et le retour, pris par Hunger. Et la passe avant, bien faite vers Lawson, qui s'en va seul pour Détroit. Il lance, et Vachon résiste. Et aussitôt, le maire, qui descend de toutes ses forces. Le maire ici, avec Cournoyer, une passe à celui-ci. Il a débordé à l'aile et la passe lui est revenue. Une autre, et devant le but. Et là, le maire, un lancer bloqué par Bobby Bond. Et Lawson, qui mène une contre-attaque pour Détroit pendant que le Canadien fait des changements. Et le lancer qui n'était pas commode, qui a fait un bond devant le but. Et Savard qui descend bien. Savard au centre. Savard vers Backstrom. La passe était à peu près de ses patins. Et c'est ainsi qu'elle a dévié. Cournoyer qui intervient mais sans succès. Jean-Claude Tremblay. Puis Backstrom et le lancer bloqué. Et Jean-Claude qui arrive un peu plus loin. Et Backstrom. Et là, il prend Cournoyer. Cournoyer, Sachuk n'a rien vu. Ah ben ça, c'était le coup de théâtre qui s'annonçait depuis le début de la troisième, quand le Canadien a voulu reprendre l'attaque et a donné un stimulant à son offensive. Rousseau venait d'être frustré. Richard aussi. Le maire également. Et voilà que Cournoyer, le franc-tireur, celui qui a le compas dans l'œil et dont le lancer est toujours dangereux, a visé le coin inférieur et la rondelle a à peu près pas quitté la place. Le but du Canadien, compté par Yvan Cournoyer, assisté de Jean-Claude Tremblay et Backstrom, à 3 minutes 37 secondes. Canadian goal scored by Yvan Cournoyer. C'est Savard, celui-là, qui vient de déjouer Mahavlich. Le public proteste au sujet de la jambette. Et là, c'est Mahavlich qui s'avance un peu trop, mais il est dangereux. Beaucoup de talent. Et Backstrom qui a pris la passe de Jean-Claude Tremblay. Le disque lui échappe, il doit regrouper les siens et on en profite pour faire des changements. De Backstrom à Ferguson. C'est un dégagement partiel du centre de la glace. Et là, le Canadien a complété son dernier changement avec l'arrivée de Harper dans la mêlée à la place de Jean-Claude. La passe est prise au vol par Lawson. Là, il parvient à contourner Harper, mais l'autre, Harris, vient lui prêter main forte. Et la passe avant est celle prise par Bond, dont le lancer est bloqué. Une descente menée par Backstrom, dont le tir vient de loin, arrêté par Sachuk. Un retour saisi par Bobby Bond. On est à 4 minutes et 55 secondes. La passe au centre est prise par Lawson, après qu'il ait touché le bâton de Del Vecchio. Détroit cherche à compléter ses changements. C'est Provost, incapable de sortir. Prentiss, celui-là, devant Harper. Le disque est libre, repris par Ted Harris, qui le renvoie tout près à Béliveau. La passe de Béliveau sera saisie par Ron Harris. Une passe à Hart et une autre qui échoue. Le disque est libre au centre, saisi par Gilles Tremblay.
de Tremblay à Béliveau. Béliveau lance et rate le coin. Le disque est repris par Howe aussitôt. Voici la contre-attaque destinée de la sorte. La longue passe est prise par Harper et la sienne est saisie par Harris. Aussitôt une remise à Provost. Et là de Provost à Gilles Tremblay. Il lance et rate le coin de justesse. Béliveau avec le retour. Mais la rondelle lui échappe au moment où il allait esquisser un jeu. Et là c'est Kent Douglas à Howe qui se défait du disque. Qui arrivera le premier dans le coin. Une bataille entre Mahovlich et Harper et la passe de Mahovlich est interceptée. Là, c'est le Béliveau à Provost. Provost pousse la rondelle jusque derrière le but adverse. La passe de Howe touche Douglas qui lui renvoie le disque aussitôt. Une seconde passe. Et là, celle de Douglas échoue et ce sera sans doute refusé. Voilà qui est fait. Cette partie de hockey vous parvient du nouveau Forum de Montréal. Avec une Torino, votre entrée de garage devient une rampe de lancement. Canadien 2, Détroit 1 en troisième période. Cournoyer a marqué à 3 minutes 37. Son septième de l'année sur des passes de Jean-Claude Tremblay et Backstrom. Une passe que fait dévier Mahovlich en zone adverse. Le disque a été repris par Jean-Claude Tremblay. Tremblay harcelé par Mahovlich qui ne lâche pas prise. Remet le disque à Savard. Sa passe à lui est enlevée par Howe. Une autre tentative, celle de Gilles Tremblay qui réussit vers Béliveau. Béliveau avec Provost. Béliveau s'avance vers Gilles, mais Howe lui barre la route. Et on ne va pas plus loin. Là, c'est la descente de Mahovlich. Une remise à Del Vecchio. La passe de Del Vecchio est saisie par Howe. La sienne est coupée partiellement par Savard et ensuite Jean-Claude Tremblay fait un peu vite et ce sera refusé. Jean-Maurice, au cours d'une émission de gala comme celle-là, je pense à la répétition qu'on a eue ici hier soir à compter de 6 heures. Je pense à toutes ces personnalités, tous ceux qui étaient sur la glace, nous qui passons devant la caméra, qui sommes entendus. Je pense aux travailleurs qui sont un peu plus dans l'ombre. Tantôt, on rendra hommage à Gaston Dagenais. Je pense à notre nouveau réalisateur, Guy Desormeaux, qui a travaillé d'arrache-pied au cours des derniers jours lui aussi. Oui, à Mexico. Et dans des conditions complètement nouvelles. Je pense à des gens comme M. Delassoye ici à ma droite, Gilles Sabourin ici à ma gauche. Enfin, tous ceux qui, de près ou de loin, cette immense équipe, cette famille dont nous sommes si fiers, qui s'appelle la famille du hockey. Alors, bravo et merci à tout le monde. Et il est juste et raisonnable qu'on leur rende hommage à leur tour. Une rondelle prise par Richard et voilà, il s'esquive et parvient à dégager avec Rousseau. La passe à Rousseau, il lance et c'est le plongeon de Bergman qui vient prêter main forte à Sarchuk. La passe de Richard devait être faite de la sorte, un peu lente, afin que Rousseau puisse la toucher. Mais le geste de Rousseau, qui a été obligé d'agir rapidement parce que l'angle se refermait, a été frustré son geste avec le plongeon de Bergman qui joue une partie vraiment colossale. Comme les trois autres défenseurs du Détroit d'ailleurs. Une passe devant, prise par Lemaire, et il est retenu par Bonne. Et là, c'est une autre passe devant, qui revient à Richard. Une dernière qui est libre. Lemaire qui lance, et Sachuk qui résiste en jetant encore un petit coup d'œil à sa gauche. Sachuk, agrippé solidement au poteau droit, a tenu le coup. C'est une reprise qui nous plaît de revoir parce que là on voit le jeu conserver et garder ses angles, bien protéger ses angles comme Sachuk l'a fait tantôt. Oui, et en ce qui concerne le Canadien, là, le trio à l'œuvre, c'était du jeu ardent. Voici Lemaire avec un autre tir qui lui revient et la passe vers Rousseau. Harper s'élance, rate le but, le titre repris par Harris et là ça touche Rousseau qui passe devant et Rousseau rate le but encore et Rousseau une dernière fois. Le voici devant, qui se dégage. Rousseau encore, mais il fait une chute devant. Et c'est Bergman qui prend le disque. Là, c'est de Bergman à Semkowski. Une passe enlevée par Harper. Et ensuite, un peu plus loin, Harper qui coupe la dernière passe de Bergman. Une remise ratée de justesse. Sinon, il y avait échappé partiel. Semkowski avec une longue passe. Prise par Gary Younger qui s'élance avec McGregor. Harper intervient, le disque est libre, repli par Harper, un beau repli de sa part. Et c'est lui qui renvoie Détroit jusque dans son territoire profondément.
Encore. 11 minutes et 15 secondes en troisième période. Le Canadien mène 2-1. Le disque appartient à Kent Douglas. La passe est faite vers Stemkowski. Le lancer vient de loin après l'arrêt facile. Le retour est capté par John Ferguson. La passe est bloquée par Stemkowski. C'est une tentative maintenant de Harper. Harper est frustré par Marblet. Le disque tombe dans la foule et cette partie de hockey vous parle bien du nouveau Forum de Montréal. La nouvelle banquette des Ford 69 et 6 spacieuse qui a de la place pour votre belle-mère. Canadien 2, Détroit 1. Les buts du Canadien marqués par Béliveau et Cournoyer. Béliveau en a 6, Cournoyer 7. C'est Ferguson qui descend, suivi de Backstrom. Le lancer est bloqué par Douglas et le retour est aussitôt saisi par le vétéran Dean Prentice. Prentice a d'abord joué avec New York, ensuite avec Boston. Et il rend à Détroit de valeureux services. Le disque est repris par Jean-Claude Tremblay. Le voici qui bâtit la prochaine attaque en faveur de Cournoyer, mais la passe manque de précision. C'est Ken Douglas avec une autre passe du côté de Prentice. Et une autre à Lawson. Oh, il a attiré vers lui. Et quel beau jeu de Lawson pour un junior. Il a attiré vers lui Savard. Et c'est ainsi que Savard a été déjoué fort habilement. Et ensuite, Vachon a dû redoubler d'efforts. Là, c'est Cournoyer ici, à battre, mais c'était un peu trop près de lui, derrière lui-même. Voilà le tir de Pete Marblish de loin. Prentice qui a pris le retour. Une remise à Douglas. Le lancer bloqué, mais difficilement. Accroché d'abord au patin de Savard. Eh bien, moi, j'ai vu Vachon trois fois cette année, Jean-Maurice. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a de très bons yeux. Il est jeune et il n'a pas peur. Et ça, c'est la marque des grands gardiens. Il n'a pas peur. Mercredi à Toronto, Claude Ruel me disait qu'il était enchanté de la performance de Vachon, qui est de plus en plus sûr de lui. Il a plus confiance. Il est digne de la Ligue nationale. Voici une rondelle prise par Ted Harris. La passe est faite vers Béliveau. Celle de Béliveau est dans les airs après avoir touché un bâton. Howe a capté le retour. Et là, c'est de Howe à Mahovlich. Frank Mahovlich, anciennement des Leafs. Une passe prise par Gilles Tremblay. C'est lui qui a renvoyé le disque en zone adverse sans savoir que Béliveau était déjà là. René, j'ai ici une statistique assez exceptionnelle. Quels sont les deux joueurs qui ont le plus de points passes et buts dans la Ligue nationale? Alors, évidemment, Howe. Et le deuxième est Jean Béliveau. Eh bien, Howe, 1594, Béliveau, 1025. J'ajouterai quelque chose à ceci dans quelques instants. C'est Harper, celui-là, dont la passe est prise par Provost. Provost avec un lancer à la droite du but, en diagonale. Un retour pris de Gilles Tremblay. Ensuite par Howe. Et là, au centre, intervention heureuse de Del Vecchio. Provost qui se regroupe. Et finalement, la passe coupée par Béliveau, mais devancée par Bond. Oh, Béliveau a vu juste, parce que Bond allait lui servir un genou, une hanche, là. Et il a voulu glisser à côté du choc. Gilles Tremblay brise une attaque. Il reste 8 minutes et 25 secondes encore en troisième. Le Canadien décide de fermer un petit peu la machine. Voilà, Provost. Et ça, c'est la passe qui va arriver dans le coin, mais Sachuk devant Gilles Tremblay. Le disque est repris par Provost, ensuite vers Gilles, puis devant le but. Bond intervient. Gilles qui revient à Harris. Oh, le lancer a touché le bâton et a failli entrer dans le but. Une autre passe vers Béliveau, mais déjà contrée par Howe. Et c'est l'immobilisation. Et puisqu'on parle de Howe et Béliveau, il faut vous dire quand même que la soirée du hockey vous présente cette rencontre entre les Red Wings de Détroit et les Canadiens de Montréal. Quoi de neuf à l'horizon? La toute nouvelle Cougar décapotable 1969. Une vraie belle bête qui dévore les autoroutes avec un nouveau moteur de 351 pouces cubes. Ça, c'est du neuf. Fini le style pépère. Vous faites sport aussi en maniant le levier de vitesse au plancher.
Cougar, ça c'est du neuf. Chez Mercury, chaque voiture doit se conformer à la grande tradition Lincoln Continental. Pas moins. Eh bien, mesdames et messieurs, on sait que la division Est n'a pas gagné, n'a pas perdu beaucoup de parties contre les nouveaux venus. Mais ce soir, une équipe de la nouvelle division de l'Ouest, Philadelphie, vient de remporter une victoire fort précieuse. Et à Toronto. Et au compte de 3-2, c'est confirmé. Deux buts par Jean-Guy Gendron. Voici une rondelle prise par Gary Unger. Le lancer est arrêté. Il frappe fort, ce monsieur Unger, en dépit de ses 20 ans. Très beau lancer, joueur intelligent, une précieuse acquisition. C'est de Jean-Claude Tremblay à Lemaire, ensuite à Richard. Ici à Rousseau. Rousseau vers Lemaire. Et là, devant lui, Richard veut faire une passe enlevée de justesse. Et là, Rousseau encore, qui vient frapper à la porte, mais personne ne veut ouvrir. Je n'ai pas souvent vu, au cours des dernières années, un joueur faire d'autant d'occasions. Et surtout, devant des gardiens qui, contre lui précisément, surtout, exécutent leurs plus beaux arrêts. Rousseau qui a pris le disque des mains de Richard. Une passe à Richard, une belle passe. Derrière, à Lemaire, et le boulet rate le but. Il y avait tout ce que vous voulez dans ce lancer. Vous pouvez dire un peu de béton. Et enfin, Savard a pris la passe et une autre au vol vers Lemaire. Sachak le devance et c'est lui qui fait une passe vers Douglas. Une autre qui échoue et le disque est repris par Richard, mais en le touchant, il était de l'autre côté de la ligne. Cette partie de hockey vous parvient du nouveau Forum de Montréal. Les cinq nouvelles Mustang 69 sont de vrais pur sang. Oh! Bien devant ces cérémonies, cette soirée de grand gala, on oublie de dire la joie que l'on éprouve à se retrouver tous ensemble encore une fois chez nous. Voici une rondelle prise par Ted Harris. Et la passe a effleuré le bâton de Cournoyer, c'est pourquoi c'est refusé. Ferguson travaille devant Bergman, le disque est libre repris par Ted Harris, dont le tir arrive à la gauche du but. Une passe coupée par Harper, mais il a renvoyé le disque en zone adverse un peu vite. Et le hors-jeu retardé est annulé avec la sortie du Détroit. Voici Prendeuf en zone adverse. Et là, ici, il y aura une punition à Ferguson qui a nettement retenu le jeune Lawson. Il y a certainement chez les Wings un joueur qui se fait remarquer en particulier parce qu'il sort des rangs juniors et qui se comporte comme un vétéran, qui a tout ce qu'il faut, qui a l'aplomb, l'assurance d'un bonhomme qui appartient nettement à la Ligue nationale. C'est le jeune Lawson, le numéro 18. Voici comment ça s'est passé. John Ferguson, 2 minutes pour avoir accroché. À 14 minutes, 4 secondes. Le jeune dont on vous parle. Et le Canadien devra subir ce désavantage numérique. À 14 minutes et 4 secondes. Alors, Ruel envoyé dans la mêlée, les deux Tremblay, Provost et Harris. Devant Unger, Howe, le disque est enlevé par Gilles Tremblay, aussitôt c'est le premier dégagement. L'attaque à 5, composée de Unger, Howe, Douglas, Mohoblich et Del Vecchio. Donc, seulement un défenseur cette fois, un homme aguerri, Douglas. Mais une mauvaise passe et Détroit ici vient de perdre 20 secondes. Le public proteste au sujet de ce que vous venez de voir. Et Claude Ruel aussi. Oui. Voici une passe à Howe. Howe devant Provost. C'est une passe enlevée par Jean-Claude Tremblay. Le disque libre repris par Provost. Et c'est un autre dégagement, mais cette fois raté à moitié, puisque le disque a été lancé derrière le banc du Canadien, ce qui fait que la mise en jeu ce sera en territoire du Canadien. Là, j'ai vu Claude Ruel, derrière son banc, avoir les mêmes attitudes que Tremblay. On va commencer. Il reste à la pénalisation 1 minute et 19 secondes encore. Gilles Tremblay devant Unger. Dégagement avec le patin. Del Vecchio regroupe les siens à l'intérieur de sa ligne bleue. Les autres, je répète, sont Unger, Mohovlich, Frank, Howe et Douglas.
C'est Frank Mahovlich, celui-là. Lui et Prevost font une chute. À la poursuite du disque, c'est Ted Harris. Par la bande, dégagement réussi. À la pénalisation, 54 secondes. Au match, 4 minutes et 45 secondes. Maintenant, Canadien 2, Détroit 1. De Hunger à Douglas. On est au centre de la glace. Un lancer qui arrive du côté gauche. Ted Harris avec un dégagement bloqué par Howe. Une passe du côté... Oh, le beau jeu! La passe du côté de Hunger et le lancer arrêté par Augustin Vachon. Commencement de dispute. Ted Harris et Mahovlich qui tombent dans les bras de l'un de l'autre, mais on n'a échangé aucun coup. La reprise nous fait voir encore une fois. Ça a été d'abord l'intervention de Howe à la ligne bleue, vous l'avez vu. Le jeu vis-à-vis Hunger. Hunger avec un beau tir, mais Vachon qui reste au beau milieu de son but, qui refuse de bouger. Et c'est là qu'il intervient, préfère immobiliser le disque à ses pieds, en sa possession, avec la circulation qui se faisait devant lui. Et dans le brouhaha, tout près du but de Vachon, eh bien, avec des bâtons élevés, Frank Mahovlich a atteint accidentellement Harris. Et Harris a voulu se battre, mais Mahovlich l'a encerclé de ses grands bras et le combat était terminé. Bon, il reste 33 secondes avant la sortie de Ferguson du banc. Et 4 minutes et 29 secondes en troisième période. Alors, tantôt, je disais que Howe avait jusqu'ici 1594 points. Béliveau est le deuxième dans toute la ligue avec 1025, dont une différence de 569 points entre les deux joueurs. Imagine, René, qu'il n'y a que 19 autres joueurs dans la ligue qui ont cette différence de 569 points. Et là, c'est Howe qui, dans un moment extrêmement important, se fait subtiliser la rondelle par Prevost. Au moment où il la cherchait à ses pieds. Et Jean-Claude Tremblay qui termine la besogne. Détroit devra faire vite. Il reste 10 secondes encore. Douglas est là. Le voici au centre. On a procédé à quelques changements, mais de toute façon, Détroit ici était hors jeu. 3 secondes encore. Et étant donné qu'on va recommencer au centre, le Canadien pourra renvoyer un sixième joueur sur la glace avant qu'il y ait sans doute danger. Eh bien, René, un joueur qui se distingue encore une fois et qui a un excellent début de saison est le jeune Yvan Cournoyer. Avec ses buts, et s'il poursuit cette poussée qu'il a en ce moment, avec combien de buts va-t-il terminer l'année? Parce qu'il joue avec énormément de vivacité cette année. Je vais te répondre tout de suite. Plusieurs. Voici une rondelle prise par Gary Bergman, mais retenu par Richard et la chute de Bergman crée l'arrêt. Cette partie d'hockey vous parvient du nouveau forum de Montréal. Avec une Torino, votre entrée de garage devient une rampe de lancement. Canadien 2, Détroit 1. Avec encore 3 minutes et 43 secondes. Les buts du Canadien marqués par Béliveau et Cournoyer pour Détroit en deuxième période, Stemkowski. Le disque est pris par Savard, il le relaie jusque derrière le but adverse. Saisi à nouveau par Bobby Bond. Bond s'est défait de Richard, une passe à Prentice, lui-même devant Richard. Le disque lui revient, l'égalité de son but. Une passe ratée au centre par Stemkowski, celle de Savard. Va être sans doute refusée. Oh! Les joueurs du Canadien protestent parce qu'elle a semblé toucher un patin. Mais on ne peut pas tout voir. Et c'est important parce que, de la sorte, le jeu va recommencer en zone du Canadien. Et c'est ce que Détroit voulait. Béliveau n'est pas très content. Il est debout devant son banc et il essaie d'attirer l'attention de l'arbitre. Et on l'indique 3 minutes 17 secondes. Pendant ce temps-là, c'est Minnesota 1, Saint-Louis 0. Voici une descente de Rousseau avec Lemaire et Richard. Rousseau qui s'avance et dont le lancer arrive juste sur l'extérieur du but. De toute façon, on avait déposé son bâton sur le tien, c'était McGregor encore. Et ça l'a juste assez gêné pour l'empêcher de lancer correctement. Maintenant, 2 minutes et 55 secondes en troisième période. La passe de Bergman est coupée par Rousseau. Le disque libre est repris par Dean Prentice. Prentice déjoue Richard, s'amène jusqu'en zone adverse. La passe avant est enlevée par Savard.
La scène lui revient. Pavard ici parvient à s'esquiver un peu. C'est une passe qui touche Richard, mais il ne peut aller plus loin. Jean-Claude Tremblay avec une autre tentative vers Rousseau. Rousseau, ici vers Richard. Et ensuite vers le maire. Une autre passe prise par Jean-Claude Tremblay avec une pénalisation retardée. De Richard à Cournoyer et le tir qui manque le but. Et devant, vers Rousseau, il rate le point. Une autre tentative et ça a duré longtemps. Eh bien, Robert Rousseau semble avoir été blessé. Et encore une fois, il faut bien le dire, il n'a pas eu de veine. Évidemment, Jean-Maurice, oh, c'est peut-être placage, oui, en effet. On sait que le Canadien joue demain soir à Philadelphie. Il a été blessé à une cheville ou à une jambe. Enfin, à la fin d'un match, c'est toujours possible que ce soit un muscle qui se soit subitement luxé ou enfin, ça peut être une crampe, ce que je veux dire. De toute façon, le Canadien joue demain soir à Philadelphie et ce ne sera pas un adversaire commode parce que les Flyers viennent de battre Toronto chez eux. Oui, là, je pense à Ponchimlak. On sait la raison pour laquelle les Leafs n'étaient pas dans les séries éliminatoires l'an passé. C'est qu'ils ont perdu énormément de parties contre les nouveaux clubs de l'expansion. Et si ça recommence, j'imagine le cauchemar de Imlak après le match de ce soir. Ajoutons que le match demain, pour ceux qui voudraient être au courant, n'est pas entendu à la radio demain soir du côté français. Ce n'est pas un des 25 matchs à l'affiche, tout simplement. Et nous, pour ceux qui aiment les renseignements nombreux, on s'en va au bal. Parce que nos commanditaires, qui savent faire les choses en grand, veulent réunir tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la soirée du hockey. Et c'est forcément. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas à Philadelphie. Non, parce non. Qu'il fallait y aller, on irait. Parce que le travail passe en premier lieu. Mais c'est tout simplement pour ceux qui se demanderaient si c'est diffusé. Ce n'est pas un des matchs à l'affiche. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, les joueurs auraient été invités s'il n'y avait pas eu match à l'extérieur de Montréal. Quand on dit balle, on exagère, on veut tout simplement dire réunion. Réception. Réception, c'est ça. C'est Savard qui prend la rondelle et qui s'en défait. On sait que le Canadien a l'avantage numérique. On va recommencer avec cet arrêt à la droite du but de Sacha qui s'est fort bien défendu. Certainement une des figures dominantes du match. Vachon aussi d'ailleurs, parce que quand une rencontre a des moments très ouverts, comme en deuxième et en troisième période, et que les gardiens n'allouent pas plus que trois buts au total, c'est tout à leur honneur. Oui, j'imagine Canadien qui a été surclassé en deuxième période. J'imagine que Claude Ruel leur a parlé doucement, sûrement, parce qu'il est très doux avec les joueurs. D'ailleurs, c'est revenu avant la fin de la deuxième. Oui, dans les trois dernières minutes. Il y a eu ces cinq minutes d'incertitude où la cohésion était complètement disparue, et ces moments de doute. Mais le club s'est retrouvé, oui. Fort heureusement pour lui. Alors, répétons, compte final à Toronto, victoire des Flyers de Philadelphie, 3-2 contre les Leafs. Une défaite coûteuse pour Toronto qui fait suite à celle de 5-0 subie contre le Canadien mercredi. Toronto qui avait connu auparavant une bonne fin de semaine en battant Boston et New York le lendemain. Mais Toronto qui a du mal à compter depuis trois parties. Alors Billy Vaux est là à la mise au jeu devant Mahavlich. Le disque va de Lemaire à Jean-Claude Tremblay. La passe avant est saisie par Del Vecchio. La pénalisation se poursuit. Le disque longe la bande, repris par Jean-Claude Tremblay. C'est une passe à Lemaire. Lemaire, ensuite devant Del Vecchio. Le disque est repris par Cournoyer. Une passe à lui, saisie par Del Vecchio. Et la dernière, enlevée, mais difficilement, par Jean-Claude Tremblay. Bergman pousse la rondelle à l'autre bout. Le dégagement est permis. Il reste à la pénalisation 45 secondes. Et au match, 50 secondes maintenant. Provo prend le disque. Le remet au centre. Il est saisi à nouveau par Del Vecchio. C'est une passe à Bergman. Bergman s'avance du côté de l'aile gauche. Le voici avec Howe en zone adverse. Oh, la passe échoue de justesse. Et là, c'est Jean-Claude Tremblay avec seulement un défenseur, Del Vecchio. Une remise à propos. Une autre, et là, ça devient un lancer à la gauche du but. Howe qui a repris le disque.
La passe enlevée par le maire. Le lancer arrêté par Sachak. À la pénalisation, 5 secondes. À la partie maintenant, 10. À la pénalisation prend fin, c'est Béliveau. Arrêté au centre, le disque lui revient un moment, repli par le maire. Et voilà, la victoire du Canadien. Pour Détroit, c'est consolant. C'est un match au cours duquel il a vraiment affiché une très belle tenue où il a prouvé qu'il est certainement un candidat amélioré et il pourra sûrement être au cours des prochains temps un adversaire redoutable et de classe. Le compte final est donc à Montréal. Canadiens 2, Détroit 1. Dans quelques instants, le sommaire du match de ce soir. Que recherchez-vous le plus dans une voiture? Le rendement? La valeur? L'élégance? Oui, bien sûr, vous voulez tout cela dans une même voiture. Vous voulez aussi qu'elle reflète bien votre personnalité. Tout cela, vous le trouverez dans la Météor 1969. Voyez là la belle Météor, d'une élégance, vraiment de quoi être fier. Météor, la meilleure valeur au Canada. De la puissance, autant que vous en voulez, jusqu'au fougueux moteur de 429 pouces cubes. Avec ses dimensions plus généreuses et son empattement plus long, la Météor est plus que jamais la voiture du confort. Choisissez le modèle qui vous convient le mieux. Habillez votre Météor avec l'équipement de votre choix pour qu'en fin de compte, elle et vous ne fassiez qu'un sur l'autoroute. Oui, si vous recherchez celle qui reflète bien votre personnalité, voyez la Météor d'abord. Chez Mercury, chaque voiture doit se conformer à la grande tradition Lincoln Continental, pas moins. Et oui, c'est un public joyeux, satisfait, qui quitte ce nouveau forum. Voici donc le sommaire du match. À la première, Jean Béliveau de Provost et Gilles Tremblay. Au deuxième engagement, Pete Stemkowski de Bruce McGregor et Gary Unger. Et finalement, Cournoyer, le but gagnant, avec l'aide de Jean-Claude Tremblay et Ralph Backstrom. Et à Toronto, c'est une victoire surprise des Flyers de Philadelphie 3-2 contre Toronto qui éprouve des difficultés depuis deux matchs. Jean-Guy Gendron ce soir a marqué deux buts pour les Flyers, le premier avec l'aide de Dornhofer et Lacroix. Ensuite, Paul Anderson a égalé les chances pour Toronto de Pilote et Holman. Ed Van Niem a porté l'avance des Flyers à 2-1 avec l'aide de Selby et Paiement. Aucun but à la deuxième. À la troisième, Toronto égalait le compte. Bill Sutherland, anciennement de l'organisation du Philadelphie, avec l'aide de Jim Doré et Keon. Et le but gagnant, Jean-Guy Gendron, avec l'aide d'André Lacroix à 16 minutes 13 secondes. Le compte final est donc Philadelphie 3 et Toronto 2. Et dans l'autre match à l'affiche, deuxième période terminée, Minnesota mène 2-0 contre les Blues de Saint-Louis. Au premier vent, Claude Larose, anciennement de l'organisation du Canadien et qui connaît un début de saison vraiment intéressant avec Minnesota, a compté avec l'aide de Hochet et Bob McCord à 16-0-2. Et 5 secondes avant la fin de la deuxième période, Wayne Conley comptait avec l'aide de Ray Cullen. Donc, le match a lieu à Saint-Louis et à la fin du deuxième vent, c'est Minnesota 2, Saint-Louis 0. La soirée du hockey se poursuit dans un instant avec le choix des 3 étoiles de la partie de ce soir. La jeunesse, c'est une question d'attitude, une façon de vivre pleinement chaque minute de la vie. Et quant à adopter l'attitude jeune, autant le faire au volant de la Montego 1969. La jeunesse, c'est l'essence même de la Montego. Essayez-la. De taille moyenne à l'extérieur, mais luxueuse et spacieuse à l'intérieur. De la puissance, autant que vous en voulez, jusqu'au fougueux moteur Cobra Jet de 428 pouces cubes. Et tout l'équipement qui vous assure une parfaite maniabilité. La Montego est économique comme la jeunesse. Elle a été conçue pour les budgets jeunes où chaque dollar compte. Si vous êtes de ceux qui croient qu'être jeune, c'est une façon de prendre la vie, prenez le volant d'une Montego. Taille jeune, prix jeune et du nerf. Chez Mercury, chaque voiture doit se conformer à la grande tradition Lincoln Continental. Pas moins. Maurice Richard, enfin, Détroit n'a pas gâché
la soirée du Canadien. Tu te souviens lors de ta fête ici au Forum? Absolument, oui, on a perdu 2-1, je crois. Bon, et là, à la fête d'Émile Bouchard, Détroit. Émile Bouchard, pareil. Avait gagné contre le Canadien. C'est ça, oui. Alors, pour l'ouverture du nouveau Forum, heureusement, le Canadien a gagné de justesse. Heureusement, mais je crois qu'on aurait pu voir une meilleure partie, mais je crois que tous les joueurs, ces deux bords, étaient bien nerveux. C'est là une raison pourquoi on a vu du beau jeu, mais on n'a pas vu de belles chances de compter. Mais par contre, je dois dire que la ligne d'Henri, Lemaire et Rousseau ont joué une très bonne partie. Ils étaient partout sur la glace, la deuxième et la troisième période. Ils ont travaillé bien fort. J'aurais bien aimé leur donner une étoile à un de ces trois-là. Mais par contre, Yvon Cournoyer a eu plusieurs belles chances de compter. C'est la raison pourquoi je lui ai donné la première étoile. D'ailleurs, il a le but vainqueur. Il a le but vainqueur, oui. Et pour la deuxième étoile, bien, j'ai choisi Serge Chavard, qui a joué une très bonne partie sur la défense. Il a préparé des beaux jeux. Il a arrêté l'ennemi à plusieurs occasions. Et pour la troisième, bien, la ligne de Hunger, Pete Stamkowski et McGregor ont joué très bien aussi. Pete Stamkowski a eu de très bonnes chances de compter. Et Pete Stamkowski a compté un beau but aussi. On vient de voir le but de Cournoyer, qui était le but victorieux. Mais ce Cournoyer, il va aller loin. Il a déjà ses buts, Maurice. Et là, nous allons le revoir au ralenti. Et c'est un but où il a prouvé qu'il était un véritable franc-tireur. Ah, il n'a pas sorti de là, Jean-Maurice. Yvan, aussitôt qu'il a la rondelle sous son hockey, bien, il la laisse partir. C'est seulement qu'un lancer des poignets. Oui. Un lancer très, très puissant et très vite. Exactement comme toi, un lancer des poignets. Oui, absolument. Vous dites son lancer ce soir, son but, là. Son but, c'est un lancer des poignets, là, presque pas forcé. Exactement. Un joli but. Je comprends. Alors, les trois étoiles, Yvan Cournoyer, Serge Savard. Et Stamkowski. Merci, Maurice Richard. Plaisir. Je pense que maintenant, nous allons aller dans le hall d'entrée en compagnie de Lionel Duval et Richard Garneau. Chose certaine, Richard, c'est que cette saison, on a pu se rendre compte encore ce soir, Détroit a bien joué. C'est que la lutte dans la division Est sera fort intéressante au cours de l'année. Oui, elle sera d'autant plus intéressante que les clubs de l'Est, même si Philadelphie a vaincu Toronto ce soir, gagne régulièrement contre les clubs de l'Ouest, contrairement à ce qui s'était produit l'année dernière. Je pense qu'il y avait peut-être, disons, un peu d'abus de confiance l'année dernière. Donc la lutte sera serrée dans les deux sections, mais dans le sens contraire de la section Ouest. Eh bien, merci beaucoup, Richard. À la prochaine. Le compte final est donc Red Wings de Détroit 1, Canadiens de Montréal 2. Ici Lionel Duval qui vous dit bonsoir de Montréal. Soirée du hockey, présentée par la brasserie Molson, brasseur de la bière Molson, la préférée du Québec. SO Impérial et ses vendeurs, agents et distributeurs. Et Ford, avec les meilleures idées, Ford vous offre de meilleurs produits.